Bonjour, pardon, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, comment ça va Bonjour, bienvenue, attendez je règle mon micro, c'est bon. Ah, incroyable, comment ça va Bonjour, ah oh, putain la voix. Euh, comment ça va Vous avez passé un bon week-end Hop! Vous avez passé un week-end devant les chaînes d'infos en continu pour suivre la mort de la reine? J'espère. Je vous le souhaite. Euh... Tes alertes de ce étaient juste incroyables. 5 SUB Attends. Je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Mes affaires marchent en ce moment. Ah bah évidemment. Je croyais quand même pas que j'allais. Euh, voilà. Attendez, attendez parce qu'il faut que je règle. Euh, hop, monitoring, voilà. Hop. Et attendez, bougez pas, je vous mets l'autre alerte. Mais moi, il faut que je me mette le monitoring parce que j'ai pas, pas, pas la musique. Combien Combien J'ai 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 vu Comment ça pas le son Comment ça pas le son Attendez, on va réessayer. Non mais justement, je fais des réglages, je fais des réglages. Laissez la police faire son travail. Est-ce que vous avez le son là Je possède des tunes. ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Oui, donc c'est bon, vous avez le fond. <laughs> Flop <'as>, the Event. <laughs> Bon bah ça marche. Bon bah je les garde, je les garde pour les gens qui offrent des subs. Parce que quand même, euh, faut le dire, on va parler du week-end évidemment, c'est un débrief the event. Euh, c'était quand même, quand même le, le, la masterpiece de ce week-end, c'était quand même ces alertes euh, Incroyable. Merci beaucoup PEMF, je t'en ferai d'autres pour le plaisir. Ah ben bah, PEMF t'en fais autant que tu veux. Euh, c'était quand même ces alertes, ces deux alertes que PEMF euh, m'a faites avant le week-end. En mode je vais m'amuser, je vais te faire des alertes et tout euh, pour, les, pour, les, pour les paliers de sub et tout, pour les paliers de dons. Et moi j'avais jamais utilisé ça sur mon stream. Et, euh, et du coup je trouve que ça rend vachement bien, je trouve que ça marche bien. <laughs> c'est parti d'un pet de cerveau. Mais ouais en plus, c'est parti d'un pet de cerveau. C'est vraiment euh, PEMF qui a fait tiens, je vais faire ça Et clairement, franchement, il n'y aurait pas eu les alertes. Je, je pense qu'on ne serait pas monté jusqu'à 174 000 euros. Donc, euh, donc vraiment merci Pemf. <laughs> Moi, j'ai passé le week-end à danser. Du coup, j'ai des potes streamers qui m'ont dit Mais Jean, mais qu'est-ce que t'as foutu cette année euh, On t'a vu, euh, vu danser tout le temps et tout. C'était quoi ce bordel Je fais Mais je sais pas. Il y avait trop d'ambiance. C'était le feu. feu. J'étais debout et tout. Et euh, les alertes ont carré de ouf. Je fais Ouais, non, je sais pas. L'année dernière, j'étais sérieux, jouais aux jeux vidéo et tout. Là, cette année, c'était le bordel. Hein. Let's go, on danse. <laughs> t'as bien dormi Non. Non, j'ai dormi 4 heures, je crois. Donc. Euh... Et sans aucun raid, ouais ouais. Donc euh, c'est vrai que c'était non-stop, mais c'était trop bien. C'est Ava et Bagara qui ont dormi. Elles ont pas dormi du tout, je crois. Donc, euh, donc voilà. Bon les copains, je suis très content de vous retrouver. J'ai plus de voix, mais ça c'est normal et ça me fait plaisir. C'est ça, ça le The Event, hein, je vous l'avais dit. À la fin du The Event, on n'a plus d'argent, on n'a plus de voix, mais qu'est-ce qu'on est heureux? Bah voilà, j'ai plus d'argent, j'ai plus de voix, mais qu'est-ce que je suis heureux <laughs> Trop content de vous voir. Euh, on a plein de trucs à se raconter après The Event. Euh, moi, j'ai pas. Euh... Alors, j'ai paumé mon micro. J'ai paumé mon micro. Et avec mon pied de micro. Je les ai oubliés. Je les ai oubliés. <laughs> je, les ai oubliés. Euh, je, je les ai littéralement laissés sur la table. Quoi. Genre, j'ai débarrassé mon matos et tout en buvant des bières avec les potes, machin. J'ai oublié mon micro. <laughs> Donc c'est bon, j'ai envoyé un message sur le Discord. Il y a les copains de ZQSD qui l'ont récupéré et qui rentrent à Lyon avec. Donc tout va bien. Il a été retrouvé, comme plein de trucs qui ont été oubliés. Des cartes d'acquisition, des cartes de son. <laughs> The event quoi. Euh, donc voilà, du coup, faites des dons pour le micro. Non, non, vous emmerdez pas avec les dons. Il n'y a pas besoin. Tiens, d'ailleurs, je vais enlever les panneaux qui sont sous ma chaîne. C'est fini le The event euh, Attendez, je fais ça tout de suite. Excusez-moi, hein, excusez-moi, je fais, je fais des réglages. Je fais des réglages de stream. Boum, boum, boum. Voilà. On va pouvoir supprimer le point d'exclamation goal et le point d'exclamation Don. Euh, voilà. Nickel. Le stream a commencé il y a longtemps. Non, 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 il y a 5 minutes, il vient d'arriver. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Petit débrief the event, plein de trucs à se raconter, j'ai oublié mon micro. Du coup, j'ai sorti ce micro, le HyperX, que j'avais acheté pour cet été, quand on avait fait les, les législatives, le second tour des législatives avec Usul. Je l'avais acheté pour partir en vacances, bah du coup euh, il a été utile. Je l'ai ramené aux The Event en mode backup et il a servi à Ava je crois. Euh, à qui je l'ai prêté, donc tant mieux. J'ai ramené un pied de micro supplémentaire qui a servi à TPK. Tant mieux. Lui il m'a prêté un trépied pour mettre ma webcam pour, la deuxième, euh, pour le deuxième plan de caméra. Merci à lui. Voilà quoi, on s'est prêté des trucs. C'était cool. J'espère que ça va le ventre après les 2 kilos d'abondance. En vrai, ça va non mais c'est trop bizarre parce que... Euh, donc du coup j'ai bouffé de l'abondance tout le week-end. Déjà c'est super bon l'abondance. Hein. C'est un très très bon fromage. Je, je, vais, pas, je vais pas vous mentir, j'ai un peu découvert. Hein. Euh, j'ai un peu découvert, je connaissais peu, je connaissais mal. Je, je savais plus ou moins que c'était une sorte de comté euh, avec plus de goût, mais j'en je, mais savais rien. Et, euh, et en fait c'est bon. En fait c'est bon. Et, euh, et j'étais pas dégoûté du... J'étais pas dégoûté de l'abondance. Hein. Grosse découverte, bah ouais je suis content. J'étais pas d'écouter de l'abondance à la fin du week-end, j'en mangeais, je mangeais des petits crocs à chaque fois, en même temps vous faisiez tellement de goût, vous, vous faisiez tellement de dons, bande de ouf. Pas trop coulant à la fin Ah si à la fin il était luisant, il était dégueulasse. Moi je me disais, euh, ça doit pas être bon pour le fromage ces conditions de, de conservation, puis Poca, <laughs> Poca le restaurateur que je remercie, hein, qui m'a apporté l'abondance, il m'a dit, euh, non mais du coup il est meilleur, il faut le garder à la température, il est, il est meilleur. Je fais, t'es sûr qu'il est meilleur après avoir passé deux nuits aux The Even, Je fais, ouais, ouais, <rire> Ok. <rire> Donc, euh... <laughs> c'était trop bien Jean, bravo. Merci Claire, merci à vous, merci à vous, c'était énorme. <laughs> Poké, à le Poké à la légende, ah ouais, complètement, complètement. Vraiment heureux de t'avoir découvert avec le The Event, un streamer de qualité. Merci à toi, merci à toutes les personnes qui m'ont découvert à l'occasion de ce The Event. Bienvenue à vous, très heureux. Peut-être que vous l'avez compris, mais je suis un streamer un peu particulier parce que moi j'ai l'habitude de parler d'actualité et de politique. C'est ça mon sujet sur cette chaîne, habituellement. Je vous rassure, c'est dans la bonne ambiance. Hein. On se met bien, on rigole, tranquille. Euh, mais on parle de politique. Euh, voilà quoi. Euh... Il y a une super vidéo de Combini sur Poker. Ah bah je vais la regarder, je vais la regarder. Oui j'ai vu qu'il y avait Combini qui suivait Poker pendant, pendant tout le week-end. Je vais regarder la vidéo de Combini. Donc, euh, et MFS2, oui je suis, euh, je suis euh, streamer Flight Simulator aussi, c'est important. J'y tiens, j'y tiens. Merci, merci pour vos subs et vos resubs, hein. merci beaucoup, merci, merci. T'as été une super découverte pour moi aussi. Ah bah merci, et bah ça fait plaisir, et bah bienvenue à vous, très heureux. Euh... Donc voilà Donc on va parler de plein de trucs Faut que vous me racontiez Parce que moi je suis complètement passé à côté du The Event hein. <laughs> C'est ce qu'on se disait dans le train avec les autres euh, Le The Event quand il participe Bah en fait tu passes à côté Parce qu'il se passe plein de trucs sur les autres chaînes Toi t'en sais rien T'as rien vu Du coup je vais passer euh, Je vais passer des nuits et des heures à regarder les replays à voir ce qui s'est passé Le match de catch apparemment Riven Zipon c'était énorme Je vais regarder ça euh... J'ai rien vu du tout On m'a raconté euh... Question pour un streamer, je l'ai regardé en entier avec vous. 5 subs je, oui. je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment. Merci beaucoup pour les 5 subs. Moustix qui offre 5 subs, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as eu des retours des politiques que tu as contactés Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu as vu le gif de Zera, c'est le plus important. J'ai vu le gif de Zera. C'était important. Ça m'a marqué, je pense que ça m'a marqué durablement. Je c'est pour la vie, ce genre de truc. Mmh. Euh, attendez, parce qu'il y a plein de questions. Vous m'avez demandé quoi Oui, les politiques. Alors, du coup, rappelez-vous, quand vous faisiez un don unique de 500 balles, j'envoyais un texto ou un message à des politiques que je connais pour leur demander de faire un don aux The Event. Et du coup, ouais, il ouais, y en a plein qui ont fait des dons. Il y en a plusieurs qui ont fait des dons euh, et qu'on a remerciés. Il y a Manon Aubry. Il y a Sandrine Rousseau, donc Manon Aubry, députée européenne. Sandrine Rousseau, députée euh, écolo. Il euh, y a qui d'autre qui a fait un don Denis Masséglia a fait un don et je le remercie. Députée euh, La République En Marche et président du groupe d'études Jeux vidéo. Mélanie Vogel, sénatrice écologiste, a fait un don. Euh, Antoine Léaumont a fait un don. Alors je ne suis pas sûr qu'il a fait un don parce qu'il m'a dit je ne suis pas sûr que ça ait marché. <laughs> je lui ai dit bah, vérifie tes mails il ne m'a pas répondu. Donc bon, on va considérer qu'il a fait un don. Euh, donc député euh, La France Insoumise Gabriel Attal, j'ai pas eu de réponse Cédric Villani a fait un don Ancien député écolo Julien Bayou a fait un, dé a fait un don Député écolo et ancien euh, Secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts Absolument Hugo Bernalicis A pas fait de don, figurez-vous Trop marrant, pardon Cette nuit je reçois un texto d'Hugo <laughs> Je me suis dit, faut que je vous le lise Hugo qui me dit Bon tu pourras me fouetter, j'ai pas fait de don. Comment je peux me rattraper euh, Voilà. Trop tard. Donc du coup, voilà. Coup dur. Du Hugo, euh, je sais pas, je lui ai envoyé ça vendredi ou samedi. Il m'a dit Oh merde, j'ai pas fait de don Oh merde, je suis passé à côté, putain Hugo tu te choques, Hugo En plus, il est streamer, c'est un député qui stream. Il a lui-même une chaîne qui s'appelle début Twitch. Et, euh, et ce con, il a pas fait de don, putain <laughs> Trop tard. Bon, bah voilà. Bah, comment il peut se rattraper Je sais pas. <laughs> Masseglia a donné. Ouais, ouais, Denis Masseglia, lui aussi député, lui aussi streamer sur la chaîne n'a euh, pas, euh, lui, lui a fait un don. Donc, euh, donc voilà. Donc Hugo, <laughs> je sais pas comment tu peux te racheter. Je sais pas, on boit un coup. Participer à la clean walk Non. Faut qu'il vienne sur Backseat. Ouais. Mes condoléances à tes cordes vocales. Est-ce que tes, tes intestins ont survécu Ouais, mes intestins vont bien. Euh, C'est trop bien qu'il va gagner l'émission de Baguera. Oui qui va gagner L'émission de Bagheera. Alors Bagheera, elle m'a invité dans cette émission, si vous n'avez pas vu, c'est une émission qu'elle a faite en plateau, là, sur le plateau, où euh, c'était des débats sérieux sur des, sur des sujets complètement cons. Genre, est-ce que vous, prenez, vous préférez être un cornichon ou de la Yoli? Voilà, c'était ça le. C'était ça le. C'était ça le, le genre de débat. Et du coup, on débattait avec euh, Orti, Flo, Antoine Daniel, Mintos. De la LIGO, pas de la Yoli de la LIGO, de la LIGO, pardon. Excusez-moi. Et, euh, et moi, elle m'avait demandé, elle m'avait dit, si jamais tout le monde est d'accord, toi, t'es obligatoire. Il y avait Ava aussi. Elle m'a dit, toi, as l'obligation d'être dans le camp d'en face tout seul. Il y avait Gomar aussi. Euh, elle m'avait dit, voilà, t'es es obligé d'être dans le camp d'en de, face tout seul. Du coup, je me suis retrouvé tout seul à un moment pour débattre face aux gens qui disaient, tu préfères être. Merde, c'était quoi Merde, Michel Delpech. Tu préfères, vous préférez faire un feat avec Michel Delpech ou avec Bigali Et donc tout le monde a, a voté Bigali. Moi du coup, je me suis mis dans le camp Delpech tout seul. Et sauf qu'il faut savoir que je connais pas du tout Michel Delpech. Vraiment, hein, j'ai malheureusement pour, malheureusement une, une culture, une très faible culture en chanson française. Je le découvre. Je le découvre notamment grâce à. Grâce à Usul, qui lui a une très solide culture musicale de chansons françaises. Il me fait découvrir plein de trucs. Et je suis très heureux de découvrir autant de choses. Je le découvre aussi grâce à, à, à Trivia, à Little Big Whale et ses karaokés. Et donc, euh, et donc je, voilà, je découvre plein de trucs, je suis content. Mais, mais dans ma famille, quand j'étais petit, on n'écoutait pas de chansons françaises. Et euh, du coup, j'ai une très faible culture, c'est comme ça. Et donc, du coup, voilà, je me suis retrouvé à défendre Michel Delpech que je ne connaissais pas. Et c'est là que tu te rends compte qu'avec beaucoup de mauvaise foi, tu peux défendre ce que tu veux. Donc j'ai défendu Michel Delpech. Et à la fin, la, de la dernière question du jeu, c'était Zerator pour ou contre Et Horty, elle a dit « Non mais venez, on se met tous pour et on laisse Jean galérer tout seul. » C'était le plan d'Horty. Elle a réussi à les convaincre de dire « Non, non, mais, mais venez, on s'en branle. Nous, on dit pour Zerator et les gens, ils se démerdent. » Je l'ai regardé, je fais putain, je te déteste. Et finalement, ils l'ont pas fait. Il y en a plusieurs qui sont venus avec moi. D'ailleurs, ça me fait penser. Putain, mais ah, le micro il sature de ouf. Excusez-moi. Euh... Euh... D'ailleurs, pendant cette émission, il y a un moment où Antoine Daniel il dit. Jean Massier... Attends, il dit quoi Jean Massier, espèce de sac à merde Un truc comme ça Je sais plus. Et, et ça, il faut absolument qu'on en fasse une alerte. Ah oui, espèce de sale chien. Jean Massier, espèce de sale chien. Jean Massier, sale chien. Euh, Jean Massier, sale chien. Euh, donc ouais ouais. Donc ça, ça il faut absolument qu'on en fasse une alerte de seuf. Elle est beaucoup trop drôle. Yep, je t'exporte ça dès que possible. Ah c'est bon, tu l'as retrouvé, Pem. Va, Vas-y, let's go. Donc il y a eu ce moment là, Jean Massier sale chien. Et il y a eu un autre moment. Il y a eu un autre moment dans le week-end où je me dis OMG l'alerte de sub. Ah bah peut-être qu'on prendra euh... Peut-être qu'on prendra euh... Alain Chabat. <laughs> Qui dit Jean Massier, est-ce que vous êtes prêt pour le burger de la mort Des déceptions particulières pendant ce The Event Non, euh, moi j'en ai aucune. J'ai aucune déception pendant ce The Event. Vraiment aucune déception. C'était un week-end extraordinaire. Vous avez été là. Le, le The Event a été un succès d'un point de vue personnel, d'un point de vue collectif, d'un point de vue des associations euh, bénéficiaires, d'un point de vue de, de la somme d'argent récoltée. Euh, moi je. Déception que ce soit fini, ouais, c'est ça. C'est vrai, le dernier sous cette forme. Oui, oui mais ça, ça Zerator l'avait déjà dit. Zerator avait déjà dit que ce The Event serait le dernier sous cette forme. Zerator, Zerator fera ce qu'il voudra. Hein. C'est un événement qu'il a créé, euh, qu'il engage personnellement, et dont, euh, dont, dont on est tous très fiers d'avoir été euh, partie prenante. Zerator a, a, a déclaré à plusieurs reprises que à l'avenir, il verrait bien ce qu'il fera. Mais sous cette forme-là, ça, ça évoluera. Et il a bien raison. Il a bien raison de faire évoluer ses projets. Euh, ne soyons pas conservateurs. Ne faisons attention à ne pas tomber dans le ⁇ oh là là, c'était mieux avant. C'était très bien. Et ça restera des très bons souvenirs. Et voilà. C'est quoi le GIF de Zera bah, Il est sur Twitter. Hein. Euh... Ne soyez pas de droite. Oh là C'est beaucoup à gauche, hein, ce genre de conservatisme-là euh, qu'on retrouve. <laughs> euh... Donc voilà. Ne soyez pas triste que ce soit fini, soyez heureux parce que c'est arrivé. Oh, c'est beau ce que tu dis Oh, c'est beau Il faudrait que tu le... Il faudrait que en fasses une image inspirante sur LinkedIn. Et ton livre, alors, on n'a pas oublié Ah, bah mon livre, je verrai bien. Hein. Moi, je verrai bien. Moi, de toute façon, écrire un livre, donc c'était mon dernier Donation Goal de la soirée, du dimanche soir. J'avais proposé à 185 000 euros. Si, si, si on arrive à 185 000 euros, j'écris un livre. Je publie un livre chez un éditeur pour parler de politique, de jeunesse, de Twitch, d'engagement et tout. Euh, euh, et en fait, j'ai déjà, déjà eu plusieurs propositions d'éditeurs pour sortir un livre. D'une manière générale, il ne faut, faut, faut pas être naïf. Hein, les, les livres sortis par des influenceurs, ça se vend très bien. Donc, les, les éditeurs, ils ont bien flairé le filon. Donc, ils nous proposent tous d'écrire des bouquins. C'est pour ça que j'ai plein de copains qui ont écrit des bouquins hein. Hugo L'Isoir, Nota Bene. Enfin, euh, 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 bah, tous ceux que vous connaissez qui ont sorti des livres hein. Gastrono -geek et tout. Euh, c'est pas des mauvais livres attention c'est pas ce que je dis euh, y penser etc c'est des très bons livres hein. je suis très content qu'ils les aient sortis d'ailleurs en général ils me les ont offerts et ça me fait plaisir mais clairement euh, le côté vu sur internet ça fait vendre des bouquins à mort ça avait, ça avait changé en 2016 je me souviens c'était à Noël en 2016 les plus grosses ventes à la FNAC dans la section livres c'était le livre écrit par Android Phoenix et, euh, et, et les, les éditeurs étaient sur le cul Genre tous les, tous les vieux croutons là dans les bureaux chez Hachette, chez Nathan et tout, ils se sont dit oh Mais comment ça les, les, les livres écrits par ces gros comptes de youtubeurs et d'Instagrammeuses, ça marche euh, Bon bah go et, et vraiment, je vous jure, on a tous été contactés dans l'année qui a suivi. Parce qu'il y a eu un déclic dans la tête euh, des quinquagénaires de, des éditions, là, qui se sont dit Oh là là, mais en fait, ça se vend. Venez, on écrit un livre. J'avais eu des rendez-vous chez Hachette et tout et, euh, et j'avais toujours refusé pour la simple raison que je n'ai pas le temps Alors, il y a deux raisons, d'une part j'ai pas le temps d'écrire <coughs> j'ai vraiment pas le temps d'écrire et d'autre part euh, je ne lis pas de livres moi je n'aime pas le, 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 le médium livre c'est pas un truc que j'affectionne personnellement je suis pas un grand lecteur de livres je suis un grand lecteur de la presse mais c'est très différent euh, mais je lis pas de livres, c'est pas mon truc ça a jamais été mon truc, ça m'emmerde, ça me fait chier donc du, coup, euh... donc, du coup, je me suis toujours dit, bah, j'ai pas, de... pas envie de donner du temps et de l'énergie dans l'écriture d'un bouquin, alors que c'est un support que j'affectionne pas personnellement. Donc, euh... donc, fuck it, quoi. Donc, je me suis toujours dit, j'en ferai un un jour, mais, euh... mais quand ça me botterait, et je le ferai pas tout seul. Donc, voilà. Donc, euh... donc voilà. Donc, si j'écris un livre un jour, ce sera pas tout seul, ou à, minimum... ou à minima, je me ferai aider. Et, euh, et je le ferai dans de bonnes conditions pour que ce soit un livre intéressant pour vous. Voilà, même pas celui de Léa, celui de Léa, je l'ai parcouru. J'aime beaucoup Léa. Je me doute de ce qu'il est écrit dedans. Une BD Non, pareil, je ne suis, suis pas un grand amateur de BD. Attention, quand je dis ça, c'est que quand, quand je lis des BD et qu'on me fait découvrir des BD, à chaque fois j'adore. À chaque fois je suis déçu de ne pas lire plus de BD parce que je me dis putain c'est trop bien. Mais je... Voilà. Pourquoi y a autant de livres derrière toi alors Parce que ça, ça c'est 15 ans de, de livres récoltés au fur et à mesure de mes pérégrinations et de mes engagements. J'en ai lu beaucoup, des livres parmi ceux qui sont là. Pas tous, mais j'en ai lu beaucoup. Mais j'en ai lu dans des conditions. Par exemple, j'ai beaucoup de livres que j'ai achetés quand j'étais étudiant. Donc, c'était des livres que je lisais parce qu'il fallait bien que je révise. Il y a des livres que j'ai euh, achetés parce qu'ils traitent de l'engagement et de la jeunesse et de la politique. que j'ai lu parce que j'en avais besoin dans mon parcours militant. Et ensuite il y a beaucoup de livres qu'on m'a offert. Il y a beaucoup de livres aussi du lycée, du collège, des romans qu'on t'obligeait à acheter à l'époque. Donc il euh, y a les codes, code civil, code pénal, code machin et tout. Euh, donc voilà quoi. Donc du coup tu lis mais pas par simple plaisir ouais c'est ça je c'est très très rare que je me sorte un bon bouquin en me disant tiens je vais lire un livre en général c'est l'été en vacances euh, la machine à café qui vidange ah putain vous l'entendez <laughs> voilà euh... donc voilà donc je le fais parfois l'été à chaque fois que je le fais j'en suis content euh, mais euh... Mais le reste de l'année, je lis pas de bouquin, quoi. Donc bref. Euh... Qu'est-ce que j'ai récolté au The Event Alors attendez, j'ai récolté plein de trucs. Du coup, j'ai une gourde. Extraordinaire gourde, estampillée The Event. Extraordinaire gourde. Euh, The Event 2022, qui est tombée à la gare. Donc, il y a un pet dessus. Vous le voyez là. Avec l'ombre. Voilà, c'est bon, il y a un pet. C'est le pet de l'aventure de la gare. Il est tombé sur le quai de la gare tout à l'heure. Il est tombé au pied de Dwagby et Domingo, voilà, vous le saurez. Et il y a écrit Jean Massier, pour pas qu'on me la choure. Donc c'est la mienne. Très content. Est-ce que tu as regardé le complément d'enquête sur les influenceurs Non, non, je ne l'ai pas regardé. Je le regarderai peut-être. Euh, donc j'ai la gourde, ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai les goodies Twitch. J'ai la casquette Twitch. Enfin, moi, je porte pas de casquette, donc euh, je, je, je la, la foutrais dans le décor, je sais pas où. J'ai la casquette Twitch. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai un parapluie Twitch. Ça, c'est cool. En vrai, c'est cool parce que j'avais pas de parapluie et quand on se prend la sauce, euh, à chaque fois à Paris, j'ai pas de parapluie. Merci Kulgan. Merci beaucoup. Donc c'est un, euh, c'est un parapluie en bambou. Vous voyez, c'est du bambou. Recycler tout ça. Euh, recyclable machin. Ce parapluie a été fait à partir de 7,6 bouteilles en plastique. Voilà. C'est peut-être que de la com, j'en sais rien. Mais euh, water.org machin, bon, je connais pas. Ton t-shirt c'est la brasserie de la diétante. Ouais! Hop! Donc j'ai le parapluie. J'ai le parapluie Twitch. Avec écrit Twitch dessus. Donc voilà, merci Twitch pour le, pour le parapluie. Euh, je vais le ranger et j'essaierai je, de le sortir pour la prochaine pluie. Ah, oh, c'est chiant, j'ai pas envie de le mettre là-dedans. Zou euh, j'ai la fleur j'ai la fleur de d'Avamind. Maintenant que je suis adepte d'Avamind IRL, je garde la fleur. Pareil, je la mettrai dans le décor quelque part, je sais pas où. Je suis très heureux. Euh, j'ai la plaque. La plaque The Event numéro T. J'espère que vous avez acheté votre plaque. Je sais plus combien, combien il y en avait à en vendre. À vendre. Euh, je ne l'ai pas encore ouverte. Il y en avait 3000 Et bah ben moi, regardez, on va faire, faire l'unboxing. Wow. Wow. Parti en 15 minutes les plaques. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Même la boîte elle les canons. Hop. Hop, et là, je la fais tomber et je la pète. T'imagines MDR. Il y en avait 30 000, des plaques. Tu confonds pas avec les, avec les plaques du Z Place C'est moi ou il y a un écho de ouf Il y a un écho de ouf, c'est pas mon micro habituel, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a un écho de ouf. Euh, donc voilà, j'ai la plaque numéro... Pardon. 92. Incroyable. Euh, du coup, je vais, le mettre dans mon je vais la mettre dans mon décor solennellement, à côté des autres plaques des autres events La fierté c'est la plus belle des trois ouais je suis d'accord oh, elle est magnifique il faut demander la plaque 493 oh, j'avoue la plaque 493 ou la plaque 69 si quelqu'un a la plaque 493 euh, je lui échange contre la plaque numéro 92 oh, je suis tellement chaud ça part sur des échanges. Ah non mais j'avoue. Horti à la 69, c'est Horti à la 69 <laughs> Est-ce que tu auras un tableau Z Place Oui, Zerator nous a dit que a priori nous les streamers on, on aura notre tableau Z Place. Pour, pourquoi 493 Parce que ça fait 493 C'est tout. C'est 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 une blague sur cette chaîne. Donc euh, donc voilà. Donc trop cool. Euh, donc voilà, j'ai le bouquin qui m'a été offert du coup par euh, Time for the Planet. Pisser sous la douche ne suffira pas. La vision de notre mouvement citoyen luttant contre le dérèglement climatique à l'échelle mondiale, euh, que vous pouvez trouver probablement sur leur site internet, qui coûte 5 euros TTC. Je vais vous lire le, la quatrième de couverture. On va combattre ce foutu dérèglement climatique. On va donc accepter tout le monde dans Time for the Planet, des femmes et des hommes de tous les pays, des entreprises petites, moyennes et grandes, des associations et ONG, des clubs sportifs, des collectivités publiques, des banques et des fonds d'investissement. On va discuter avec des représentants élus, quel que soit leur beurre politique. On accueillera les riches, les pauvres, les gros cons, les végans, les boulimiques du voyage en avion, les décroissants, les utopistes et les pessimistes, ceux qui comprennent rien à l'urgence de la situation et encore toutes les autres catégories de personnes que tu peux pas saquer. On a les nôtres aussi, si ça peut te rassurer. On aura l'OM et le PSG, le MEDEF et la CGT, Tom et Jerry, les pros et les antinucléaires. On mangera des pains au chocolat et des chocolatines. De toute façon, on est tous dans le même paquebot. Il n'y a plus qu'à déposer les armes et coopérer. Chez Time Sur The Planet, quoi qu tous... ah, qu'on qu pense ou fasse tous dans notre coin, on n'est pas là pour s'écharper, on est là pour construire. On y arrivera parce qu'on sait tous, au fond de nous, qu'on y a intérêt individuellement et collectivement. Time for the Planet, le premier outil de financement citoyen contre le dérèglement climatique, présente ici son manifeste. Tu y découvriras la vision qui nous pousse tous ensemble à l'action. C'est pas mal, je trouve. J'aime bien comment c'est écrit. J'aime bien le côté à la zub. <laughs> c'est bien, j'aime je, je, bien l'humour. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, je, le, je le lirai, je le, parcour, je le parcourrai, ça m'intéresse. On verra. Ça a l'air euh, joyeusement utopique. Euh. Foncièrement euh, foncièrement vénère euh, et engagé. Pas mal. Hmm. C'est d'une idée au une droite sur les bords. Ouais, il bah, y en a un qui s'appelait. C'est pas parce que vous, ça vous plaît pas qu'il y, y en a un qui s'appelait pas. Hein. Bah écoute, tant mieux. Hein. Hmm. Est-ce que je connais des gens? Non, je ne connais pas. Je connais pas très bien les réseaux écolos euh, militants, tout ça. Perso, je veux le lire maintenant. C'est quoi ce livre? C'est pissé de sous la douche ne suffira pas, le manifeste de Time Force the Planet, qui euh, est un des, une des organisations bénéficiaires du The Event. Il n'y a pas une préface de l'ancien patron du GIEC Ah si c'est possible. Non, il y a une intro, il n'y a pas de préface. Euh, la run écolo démocratie tu la fracant. Euh, plus tard, plus tard, plus tard. Bénéficiaire, mais pas en argent. Oui, bénéficiaire, mais pas en argent. C'est bien pour ça que je dis bénéficiaire. Euh, donc je me le garde. Euh, J'ai vu que le record de l'année passée a été battu. Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. On a battu le record de l'année dernière à ce The event on en, est, on en est tous très heureux. Même si ce n'est pas une course, même si ce n'est pas une compétition, même si ce n'est pas un concours, On se ça, ça fait quand même plaisir de se dire que le Z-Event, euh, voilà, c'est toujours sympa de, de, de battre des records. Ça crée aussi malheureusement euh, la compétition et le côté euh, toujours plus, qui a ses, malheureusement ses défauts. C'est vrai. Mais, euh, mais voilà. Et dernier truc que j'ai qui est très important. Le le euh, Burger de la mort écrit de la main d'Alain Chabat. Il me l'a filé. Sur, le, sur les visuels Burger Quiz officiels. Il me les a filés. Donc je suis très très heureux. Donc voilà. Ça, ça, alors, ça, ça, je vais les garder. Hein. Ça, je vais les garder euh, toute ma vie. L'arme du crime. Ah, ouais, 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 complètement. Vous pouvez me le dire maintenant, c'était qui l'odeur l'année dernière Deuxième question. Les conservateurs, vous les préférez en bouffe ou en politique Troisième question. Ah, non, 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 non. Ah, oui, non, d'accord. Ah, oui, non, d'accord. Il m'en a proposé, qu il m'en a lu que cinq parce que j'ai été sélectionné dans les premières phases. Mais dans les deuxièmes phases, c'était sept questions. Donc il a écrit les sept, mais sur les sept il y en a que cinq qui m'a posé. Donc je découvre du coup avec vous aujourd'hui les deux qui m'a pas posé. Donc je vous relis les questions qu'il m'a posées. Première question, vous pouvez me le dire maintenant, c'était qui l'odeur l'année dernière. Deuxième question, donnez-moi un nom de ville qui est aussi un chiffre s'il vous plaît. Troisième question, comment s'appellerait Jeff Bezos s'il s'appelait Gilbert Mouffe? Quatrième question, bonne ou mauvaise idée le Donation Goal de jouer au tarot avec un castor Cinquième question, vrai ou faux Radiohead, Radiohead dévoile ses origines bretonnes dans sa chanson Creep. Voilà, donc ça c'était les cinq questions et j'ai choqué sur la quatrième, j'avais oublié euh, Donation Goal, mauvaise idée. Voilà, j'ai choke. Euh, et du coup, les deux questions supplémentaires, c'était « Les conservateurs, vous les préférez en bouffe ou en politique ?» Pas mal. « Parlez-vous une autre langue Si oui, répondez-moi dans cette autre langue. » Oh putain, ça doit être dur. Ah, ça doit être dur. En vrai, j'aurais brain fart, hein, mais c'est si dur. En plus, moi, les Burgers de la Mort, je les faisais avec, mes, avec des potes euh, quand j'étais dans l'associatif et tout. C'était un jeu qu'on se faisait assez souvent euh, euh, quand on faisait des concours, des, jeux, des faux jeux télé, des trucs comme ça. Le Burger de la Mort, on adorait cette épreuve avec des questions politiques débiles, des questions de droit et tout machin. Et, euh, et du coup, j'en ai fait plein des Burgers de la Mort à 10 questions qu'on inventait. Et, euh, et c'était trop bien. Et, euh, mais là, juste se retrouver avec Alain Chabat qui te regarde dans les yeux et qui te pose un Burger de la Mort. Attends, mais je crois que je vais retrouver des photos. Attends, attends, attends. Je crois que j'ai retrouvé des photos de ce burger de la mort. Euh, C'était samedi, on est d'accord. Euh... ça, c'est Alain Chabat avec étoile, avec TPK. Est-ce qu'il y a une photo d'Alain Chabat avec moi Je crois pas. Si. Il y en a une. Il y en a qu'une visiblement. Une photo qui a été prise par Chloé que je remercie. Voilà. <laughs> Et il y en a une autre, je sais pas où elle est. Et il y en a une autre, je sais pas où elle est où tu me vois. Ça a été pris par des photographes qui sont derrière, je crois que ça a été pris par lui ou par un autre photographe derrière. Tu vois Alain Chabat face à moi sur ma chaise. Moi je suis en train de me concentrer. Et en arrière-plan, tu vois Zerator, Dash et Étoile qui me regardent comme ça. <laughs> Il faut vraiment que je la retrouve. Il faut vraiment que je la retrouve. Elle est elle est, elle est, elle est mythique. Je possède des tunes. Merde, 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 merde! Pardon, 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 excusez-moi. Ça, ça va être chiant, ça. Ça va falloir que j'apprenne à. Il faut que je désactive les alertes parce que sinon ça se déclenche automatiquement quand je change de scène. Euh, on verra, on fera des réglages. <laughs> merci pour les 4 mois, merci beaucoup. Euh, donc il y a cette photo-là avec un machin ouais. Je suis, parti, euh, je suis parti avant la fin. Hier, tu as fini combien pour ta cagnotte J'ai fini à 174 000 euros. Euh, on va aller sur les stats de TheEvent.fr pour vous montrer ça. Pour vous montrer ça. Tac, tac, tac. Euh... Alors, je sais pas si on peut zoomer ou pas. Inspect, non. Donation. Donc, les donations sont là. On ne peut pas élargir le truc. Cycle View Mode. Non, ça change rien. Non. Dans View. Ah, super. Ah, super, très bien. Super, super, merci. Euh, du coup, tac, tac, tac. Moi, je suis... Non, ça c'est par ordre alphabétique. Euh... Je suis là. Alors pas, encore une fois, c'est pas c est, c est pas un concours. Encore une fois, c'est pas un concours, mais, euh, mais je suis quand même très très content euh, d'être le huitième plus gros euh, générateur de dons. Je trouve ça très solide, notamment compte tenu euh, parce que le plus intéressant c'est pas le volume absolu de dons, c'est pas c'est pas une compétition, si j'ai pas de classé. Il ne s'agit surtout pas de classer les streamers les uns par rapport aux autres en fonction de la quantité d'argent qu'ils récoltent. Euh... Mais euh... il ne s'agit pas de faire ça, mais, euh... mais plutôt de, de reconnaître que, euh... que compte tenu du faible nombre de, de viewers que j'ai par rapport à d'autres, c'est ça qui est plutôt propre. Quoi. Et par ailleurs, par rapport à mes années précédentes, c'est chouette parce que du coup, j'ai fait trois events. Le premier, j'ai récolté 35 000 euros. Le deuxième, 104 000, euh, 100 000 euros, pardon. 106 000 euros Je me souviens plus. Bon, et le dernier, 104 000. Et le dernier, 174. Donc, euh, Antoine Daniel, angle droit. On en parlera après de Macron. On en parlera après. Donc, c'est cool. Donc, euh, donc déjà, merci à vous, bravo à vous, je trouve ça, je trouve ça très très chouette, très émouvant, euh, très... c'est très beau, merci pour votre mobilisation. Et puis par ailleurs, euh, oui, ça, ça montre aussi que j'ai gagné des viewers euh, avec la présidentielle, et c'est bien, et tant mieux, et je suis heureux. Euh, j'ai gagné des viewers aussi avec Backseat, et c'est chouette. Donc c'est cool quoi. Peut-être des viewers avec plus de pouvoir d'achat, c'est possible aussi, c'est possible. Peut-être parce que je, sais que je sais aussi que je suis suivi par beaucoup de, de, de gens qui travaillent dans les collectivités locales, dans, dans l'administration, des juristes, des gens qui gravitent autour du monde de, de, de l'action publique, voire de la politique. Et donc c'est possible aussi des gens qui sont touchés, c'est peut-être aussi des gens qui sont mobilisés sur les questions d'engagement, peut-être aussi beaucoup des gens qui sont dans des assos. Et mine de rien, quand tu es dans l'associatif, tu sais combien ça, combien ça vaut euh, le don aux associations. Donc peut-être que ça incite davantage. Donc, euh, donc voilà. 5 subs Merde, ah ben non, attends, c'est pas la bonne scène. Il faut que je revienne sur la scène d'avant. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Mes affaires marchent en ce moment. Merci pour les 5 subs, desgira merci. Merci beaucoup. On en parlait du fait d'avoir des tunes. Donc, du coup, euh, du coup voilà, merci à vous, bravo. Ça a été très linéaire, c'est une belle progression. J'ai reçu aucun raid, d'ailleurs, ça se voit, il hein, n'y a pas de pic. J'ai reçu aucun raid, ça a monté crescendo. Vous m'aviez dit que vous gardiez un petit peu d'argent euh, pour le dimanche et, et ça se voit et c'est cool. Ça, c'est l'heure pendant laquelle ça a bugué l'heure de bug. Mais nous, la marche du nouveau monde. Non, ça, c'est pour les gens qui offrent 20 subs. Ou 10 subs. Euh, bug de stats ou des dons Non, c'est un bug de Streamlabs. C'est Streamlabs qui a buggé. Bah, rappelez-vous, vous, vous arriviez pas à faire des dons. Vous vous souvenez 10 subs Merde, non, putain, faut que je change de scène. J'ai pas le réflexe. 10 sub. merci oh beaucoup bien. Merci Sébastien, 10 subs. Merci beaucoup Sébastien Ride pour les 10 subs offerts, merci beaucoup à toi et merci également à Dark Darkenral qui a offert devinez combien 10 subs 10 subs 10 subs, 10 subs Putain j'ai plus de voix. Allez on y retourne, c'est parti Ouais, 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 5 millions d'euros. Merci beaucoup pour les subs, merci beaucoup. Ah mais attendez, il y a Capi42 qui vient d'offrir 10 subs au chat 10 subs Combien 10 subs Combien 10 subs, 10 subs Incroyable, merci beaucoup. Merci pour les 10 subs. Incroyable, il y a Takadok aussi qui a offert 20 subs. Combien 20 subs. Merci Takadok. 20 20 subs. Ah putain vous êtes con merci merci beaucoup merci pour les sabots faire merci pour les sabots faire hey, eh c'est dur de me faire danser là je suis pas en état hum. total craquage il ouais. ah. y a moins d'ambiance autour j'imagine hum. Merci pour vos subs, merci beaucoup. Donc, du coup, euh, du coup voilà. Donc, euh, donc, merci beaucoup pour vos dons. Encore une fois, c'est une très belle courbe. J'en suis très heureux, j'en suis très fier. Euh, bravo à vous, très heureux pour cette, de cette mobilisation. C'était très cool. Et, euh, et voilà, quoi. Et les autres stats, c'était quoi Ah, c'est le nombre de viewers. Ah, bah tiens, on va regarder ça aussi. On va regarder ça aussi. Euh, tu vois, clairement... Mine, c'est quoi C'est la moyenne Merci Despadon, merci beaucoup. Qui offre 5 subs, merci beaucoup pour les 5 subs Je possède tes thunes, oui. je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment. Merci beaucoup. Je possède tes... Non, 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 non. Euh, mine égale minimum. Hein Non, M-E-N, il a écrit M-E-N. Ah, pardon, c'est caché par ma cam. Excusez-moi. Ah, tu vois, c'est là. Moyenne, ok, ok, donc c'est le nombre de viewers moyen. Ok, c'est bien ce que je pensais. Euh, du coup, attendez. Ok. Euh, moi, je suis où Tu vois je suis là. Bon, mon nombre moyen de viewers c'était 789. On peut pas dire que. Voilà quoi. ça compte le temps où t'étais déco. Oui, 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 ça compte le temps où... Non, pas où j'étais déco, bah non, parce que non, non, ça compte pas le temps où j'étais déco. Ça, tombe les... ça compte que le moment où j'étais en live. J'ai fait un pic à 8K viewers. Alors je saurais pas dire pourquoi. C'était à 14h40 le samedi. Bah c'est quand j'ai lancé mon live, non Antoine, t'as fait un don de 400 balles. Antoine Daniel Non. canadère Non, c'est pas, pas le burger de la mort. Le burger de la mort, c'était à, à 20h. burger de la mort, il est là. Ah, le raid de Samuel Etienne Non, 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 non. Non, 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 le raid de Samuel Etienne, c'était la veille. C'était là, le raid de Samuel. C'était vendredi soir. Jean, as un des meilleurs ratios pognon par viewer. Je sais pas si les ratios ont été faits par quelqu'un. Peut-être que j'ai un des meilleurs ratios, tant mieux pour moi. C'est un don d'Antoine. Ok, ok, bah si, si vous en êtes sûr, ok. Bah je savais pas du tout. J'en ai aucun souvenir. On faisait quoi à ce moment-là 14h samedi le c'était à 16h le c'est là le quinze 15h55 Non, Kinsey je l'ai faite dimanche. La tierliste je l'ai faite vendredi ou samedi. On regarde la rodif euh, donc, on dit 14h40 samedi. Ah, mais attends, mais j'ai pas l'heure, moi. En fait, ah non, mais attends, mais je suis con. En fait, c'est le moment où je lance mon live. Ouais, c'est à la prise d'antenne. La lettre d'Ava plus le don d'Antoine au même moment. Ah, ça doit être ça. La lettre. Mais quelle lettre? C'est le don d'Antoine après le quiz avec sa mère. Ok, ok. Si tu cliques et glisses, tu peux zoomer. Ah ouais. Euh, comment on revient en arrière Merde. La lettre d'Ava pour Gomard. Ah oui la lettre d'amour que Ava a écrite à Gomard et qu'elle m'a demandé de relire. Ah. ah ok 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 d'accord 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 ok. Il faudrait prendre ta cagnotte divisée par l'intégrale de ton nombre de viewers sur le temps de stream. Eh ben écoutez, s'il y en a qui veulent s'amuser à faire des ratios, n'hésitez pas. Moi je le ferai pas. Euh, mais ça peut être intéressant. Et oui, oui, je, en tout cas, je, en ce qui me concerne, je considère que j'ai un excellent ratio parce que, encore une fois, j'ai 819 viewers de moyenne. quoi. Donc, si on fait un classement, je suis, au, je suis en bas du tableau. quoi. Je suis là. 1, 2... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Donc, je suis 45e en nombre de, en nombre moyen de viewers et je suis 8e en, en, en total de dons. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas un concours. Non, non, je ne me, je me compare pas aux autres. Whatever. Ce n'est pas le sujet, c'est un projet connectif, mais, mais c'est une stat que je trouve intéressante sur mon stream, ma communauté. Et, et donc, merci pour votre générosité. Merci beaucoup. C'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être corrélé à, à la moyenne de, 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 de niveau de vie de ma communauté, c'est possible. C'est aussi peut-être lié au fait que, vu que je parle d'actualité et de politique, je touche aussi des gens plus mobilisés sur des thématiques abordées par les assos. C'est peut-être aussi ça. Peut-être l'âge, mais ça, pas forcément, mais ça peut être l'âge aussi. Bah, y a, je il y a des gens qui sont âgés et qui sont pauvres, hein, c'est pas. Euh, je, sais, je sais, parce que ça, on avait déjà fait une enquête, rappelez-vous, sur ma communauté. Euh, je sais que vous êtes en moyenne plutôt, euh, plutôt études longues que études courtes. Il y a études dans tous les domaines, pour le coup. Et je sais qu'il y a une surreprésentation des, des filières techniques et scientifiques. Mais, euh, mais plutôt études longues. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez le profil des militants insoumis, quoi. Bourgeois et, euh, et études longues. Bonjour un ouais, tant mieux. Et plutôt mobilisé sur des thèmes. Hmm. Non, mais c'est pas une blague, hein, <laughs> c'est pas grave, hein, c'est. Ça fait mal, même si c'est vrai. Bon, ça n'a pas besoin de faire mal. Enfin, dire, les, les insoumis, ils le savent que la, 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 la... <laughs> la sociologie des adhérents et des militants du parti ne correspond pas tout à fait à la sociologie de la population française, d'une part, et, et de la population qui est défendue par le parti. Mais ça, on le sait, ça. Profil, oui, mais je vote pas. Ah non, j'ai pas dit que vous étiez tous à la fille. Non, non. Ratio B1 Kenobi. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous avez fait comme sondage Pas calculé plus ratio, beaucoup la moula, pas lu plus ratio, ratio B1 Kenobi. Putain, mais qu'est-ce que vous branlez les Putain, les modérateurs, vous vous rendez compte, vous avez cramé le cerveau de mes modérateurs hein Là, vous les avez tués ce week-end, non Ils font des sondages n'importe comment maintenant. Non, font... oh, ça part complètement en couille. Hein. Ça y est, maintenant, il y a des alertes. Euh... On danse sur le stream, il euh, y a des sondages, non, non, mais hein, tout part en couille. Hein. C'est fini les partenariats. À propos de partenariats, chers amis, je profite que vous soyez nombreux euh, à suivre ce stream pour vous annoncer que mercredi matin, et quand je dis matin, on est sur du 7h30. Hein, mercredi matin, toute la matinée, je fais un stream en partenariat avec le Parlement européen. Le Parlement européen renouvelle son partenariat avec ma chaîne à l'occasion euh, euh, du, du débat sur l'état de l'Union européenne qui aura lieu au Parlement européen à Strasbourg. C'est un moment très important euh, qui aura lieu. La, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va prononcer un discours d'état de l'Union européenne similaire au discours sur l'état de l'Union prononcé par le président euh, américain devant le Congrès chaque année. On a la même chose en Europe, qui s'appelle le débat sur l'état de l'Union, sauf que c'est pas juste un discours, c'est un débat. Donc Ursula von der Leyen va euh, parler de l'actualité, euh, de l'agenda européen, et surtout les groupes politiques euh, du Parlement européen vont lui répondre. Donc on va entendre des oppositions, on va entendre la majorité, et tout, on va entendre plein de trucs. Euh, et à l'occasion de mon partenariat avec le Parlement européen, euh, j'interviewerai en direct sur ma chaîne Twitch des députés européens français, des différents groupes politiques du Parlement qui viendront sur ma chaîne euh, répondre à vos questions et répondre à mes questions sur leurs analyses de l'actualité politique sachant que je vous rappelle que depuis l'année dernière non seulement il y a eu une présidentielle en France mais il y a eu la guerre en Ukraine et la guerre en Ukraine ça change la donne au niveau européen il y a une crise de l'énergie majeure euh, il y a des législations qui sont passées l'année dernière euh, sur la régulation du numérique sur les géants du numérique les GAFAM euh, Amazon Google Facebook tout ça euh, Microsoft et tout donc euh, donc voilà en plateau ou à la maison. Je serai à la maison, tout se fera à distance. Donc voilà, soyez là mercredi matin sur mon stream. Mettez-vous une alerte, euh, mettez-vous un, un truc sur, dans votre agenda, etc. Mercredi matin, je vous invite à vous réveiller paisiblement avec un stream cool, bonne ambiance et en même temps super intéressant en direct euh, avec le Parlement européen. Le stream devrait commencer aux alentours de 7h30. On fera une première salve d'interview avant le début euh, de la session. Ensuite, on suivra le débat sur l'état de l'Union qui va durer longtemps. Et vers midi, on enchaînera avec une deuxième session. Voilà. Donc, si vous êtes là, si vous êtes dispo, venez mercredi matin, ça va être cool. Et si vous ne pouvez pas, bah vous regarderez le replay et ce sera tout, tout, tout aussi cool. Et j'en profite pour remercier le bureau en France du Parlement européen euh, qui me renouvelle sa confiance à l'occasion de ce partenariat. Est-ce que tu connais Map Assistant Oui, ouais, je le connais. D'ailleurs, j'ai rendez-vous au téléphone avec lui demain <laughs> pour qu'il m'aide à préparer cette émission. Donc, demain, j'ai du boulot. Il y a un dress code Non, tu peux rester en caleçon dans ton lit et te gratter les couilles, il n'y a pas de problème. T'inquiète. T'inquiète. Ah, bah t'es là, Map Assistant. Map Assistant. Hop. Et dans le chat... Mes qui est un streamer, ancien assistant parlementaire au Parlement européen. Euh, tu sais déjà qui tu vas interviewer Ouais, mais ça, je vous le dirai demain. On est encore en train de préparer ça avec le Parlement européen. Je remercie au passage Isor, qui euh, qui fait le go-between avec les députés européens, les délégations. Donc voilà. Fin de la parenthèse, sponso, je l'ai mis dans le titre de mon stream. Rendez-vous mercredi matin. Les questions dédicacées, oui, oui. Alors, j'ai pas la dédicace, mais c'est les questions euh, du, euh, du, du quiz euh, du burger de la mort avec les réponses écrites de la main d'Alain Chabat. Les questions qu'il m'a posées en me regardant dans les yeux quand j'étais en train de me liquéfier. Une note sur l'écriture. Bon, il écrit, il, il écrit de manière lisible, ça va, j'arrive à lire, donc c'est cool, c'est cool. Euh, mais le souverain, ah ouais, ouais c'est à peu près certain, ça. Euh... C'est écrit par son fils, Max Chabat. Chaba. Ah, c'est Max qui l'a écrit. Ah oui, alors du coup anecdote, euh, j'ai rencontré le fils d'Alain Chabat qui s'appelle Max, euh, qui est absolument adorable, qui est, un, qui est un type super chouette. Max qui euh, est auteur euh, et il est auteur pour le Burger Quiz. Max, il est auteur pour le Burger Quiz. Il écrit, euh, il, il coécrit l'émission avec son père. Euh, il écrit les blagues, il écrit les questions, etc. Il a le talent de son père. Hein, donc voilà. Et il se trouve que Max était là hier parce qu'il a préparé l'émission euh, Question pour un streamer. Avec étoile, avec son père. Euh, il est très très bon. Hein, il a le talent de son père et, et c'était trop cool. Et je l'ai rencontré. Euh, je l'ai rencontré, Max. Et il est absolument adorable. C'est un mec super sympa. Il adore Twitch. Et vraiment, il adore Twitch. Euh... <laughs> C'est un, un turbofan fan, il m'a dit, on est en train de fumer une clope, il m'a dit euh, « Non mais c'est trop bizarre parce que tout le monde me remercie et tout, euh, parce que j'ai écrit l'émission question pour un streamer et tout, donc tous les streamers me remercient, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point moi, euh, moi là je, suis, là je suis au paradis quoi. Genre il y, y a tous mes streamers préférés euh, qui sont tous euh, dans la même pièce. <laughs> » C'est un grand fan de MV, euh, voilà. Et donc Max il, Max, il est venu me voir pour me dire qu'il adore Backseat. Il est fan de Backseat, il surkiffe Backseat. Euh, donc, j'étais trop content. Je lui ai fait, mec, ça me fait trop plaisir et tout. J'ai pris son numéro pour l'inviter dans le public de Backseat euh, euh, quand on fera une saison 2. Et, euh, et ça m'a trop fait plaisir. Et d'ailleurs, il m'a dit, mec, euh, sur le quiz à la con, euh, si tu veux qu'on bosse ensemble et tout, why not Donc, ça m'a fait super plaisir. Il m'a proposé gentiment ses services euh, pour le quiz à la con. Donc, euh, je vous tiendrai au courant, mais. Euh Donc voilà, c'était une très belle rencontre de ce the Event. Je ne m'attendais pas du tout. Euh, trop sympa. Ouais, trop stylé, Chaffaut. Franchement, euh, pourrait nous aider, nous aiguiller tout. Enfin, vraiment, donc, euh, donc voilà. Donc, très belle rencontre, Max. Euh, Max, si tu me regardes, je te fais des bisous. C'était très cool de te rencontrer. Et euh, hyper sympa, hyper cool. Et j'espère qu'on va se revoir. Je sais qu'on va se revoir. Donc voilà. Tu as vérifié que vous l'avez pas ban m'envoie un texto <coughs> attends je lui envoie un texto du coup pour lui dire voici mon numéro parce que je suis pas sûr de l'avoir fait euh, attends attends max non Hop. merci pour ton don Hop là, hello c'est Jean Massier. Voici mon numéro. Euh, voilà. Euh, c'est quand Backseat saison 2 On verra plus tard. Euh, on est en train d'y travailler. On, quand je dis on, c'est moi et plusieurs entreprises de production avec qui on échange et on travaille. On est en train d'y bosser. Euh... C'est Antoine, Antoine et Étoile qui ont réalisé que Max faisait partie de leur viewer et ils ont contacté Alain Chabat comme ça. Ah ouais Ah, je savais pas. Trop bien. Il a 36 ans. Eh bah trop cool. Euh... Alors du coup, il y a Hugo Bernalicis qui m'a renvoyé un texto. Donc, il m'a envoyé ce matin à 8h du mat. Tu, euh, donc, euh, Hugo Bernalicis, je vous rappelle, c'est un député, député du Nord, euh, qui s'était engagé à faire un don pendant le The Event. Il s'y était engagé samedi. Il m'a envoyé un texto à 8h du mat' ce matin pour me dire « Tu pourras me fouetter, mais j'ai pas fait de don Avec un smiley qui pleure. « Comment je peux me rattraper ?» Bon, comme c'est un texto envoyé à 8h du mat', je lui ai pas répondu. Et là, il vient de me renvoyer à 19h. « Comment, pitié, dis-moi comment me rattraper ?» Donc, Je vais lui répondre. « Ah là là !»« Quelle erreur du joueur français !» Hop là. C'est le chat qui choisira la sentence. Euh, sentence, c'est S-E-N-T-E-N-C-E, -E, oui. Oui. C'est ça. Sentence, vous l'écrivez comment ouais, c'est ça, T-E-N-C-E, c'est -E, ouais, bien ça. Euh... Antoine a demandé à Flaubert s'il avait un contact pour Shabba C'est lui qui a donné le tuyau que Max regardait pas mal Twitch. Ok, 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 d'accord. Qu'il euh... brûle par le feu. Une petite contribution actionnaire pour Time for the Planet puisqu'il ne touche pas de dons. C'est-à-dire, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire, Hugo, euh... Hugo Bernalicis? pour ne pas avoir fait de don aux Events, alors qu'ils s'y étaient engagés. Un don à une asso ouais, un don à une asso, ouais. Ouais, un don à une des quatre assauts. Putain, il y a encore un vote. Qu'est-ce que vous avez mis encore Don direct à l'assaut, gif sub ici sur le compte de Jean, sur le compte des modos. <laughs> vous êtes con. Euh... Après, on va parler de, on va parler de Macron, hein, promis. Je sais, je sais que ça vous. Vaut... T-shirt event à l'Assemblée. Un don à Goût de Planète pour la blague. <laughs> Un don à Goût de Planète, vas-y. Vas-y, fonce. Il est de quelle partie Hugo Bernalicis, il est à la France Insoumise. Il est responsable police et justice à la France Insoumise. Il est député du Nord et il siège à la commission des lois à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il te reste de l'abondance Non, j'ai laissé l'abondance euh, là-bas. Je l'ai laissé à, à, à Poker. C'est donc officiellement la fin de l'abondance. <laughs> T'en as mangé combien Je saurais pas vous dire. C'est dur à dire, je me coupais des tranches à chaque fois. Euh, J'ai dû en manger 400 grammes peut-être Allez, je lui dis. Le chat a décidé. Hop. tu dois faire, tu dois t'engager solennellement à faire un don direct à l'une des assauts bénéficiaires du The event. Et rapporte moi une bonne bière du Nord. Bisous copain. Voilà. Soit euh... voilà, la super. Tiens, d'ailleurs à ce propos. J'ai reçu un message trop cool. Comment il s'appelle euh, hier, hier dans mon stream, j'ai dit euh, Ouais, s'il y a des élus euh, qui ont donné de l'argent euh, aux even, Event, dites-le moi et tout. Euh, parce que j'avais peur qu'il y ait des députés qui aient donné de l'argent mais qui ne me l'aient pas dit, que du coup je ne pouvais pas les remercier et tout. Et j'ai reçu un DM euh, d'un mec qui s'appelle Raphaël Bach, euh, qui me dit euh, Je suis conseiller municipal d'opposition à Ivry-Gargan. Et j'ai donné l'ensemble de mes indemnités du mois d'octobre aux E-Events. Donc merci à lui. Je ne le connaissais pas, il s'appelle Raphaël Bach. Et il a donné l'ensemble de ses indemnités du mois d'octobre aux E-Events. Voilà. Devinez combien c'est. Devinez combien c'est l'indemnité mensuelle d'un conseiller municipal d'opposition à Livry-Gargan. 1500, 350, 500 balles, 300, 250, 100 euros, 400, 600, 300, 4000, 400, 5500, 1400, 2500, 1800, 2000, 600 euros, 450, 700, 1200, 100 balles, 200, 800, 493, raté, euh, 300, 231, tout ça, tout ça, d'accord, ok. Bon. Vous oscillez entre 250, 300 et. Vous montez jusqu'à euh, 1600 à 2000, à plus de 2000. Ok, d'accord. Intéressant. Ok. Ok, ok. Donc vous êtes à peu près dans cette fourchette-là. La bonne réponse, c'est 44 euros. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est pour les gens qui pensent que les élus gagnent plein de pognon et tout. C'est pas une blague. Hein, c est, c est, c est, c est... Dans son message, il me dit voilà, j'ai donné l'ensemble de mes indemnités du mois d'octobre, 44 euros. Merci à lui, en tout cas. Ça reste ses indemnités du mois d'octobre. Et c'est très cool. Merci, Raphaël. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, ça, 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 remet, ça remet en tête, ça, ça remet quelques réalités. Euh... Je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes sur l'argent et la politique, mais euh, l'écrasante majorité des élus euh, sont des quasi-bénévoles. moi bon, à 44 euros par mois, j'appelle ça quasi-bénévole, hein, je... il m'en faut arrêter. Donc voilà, l'écrasante majorité de nos élus en France sont des élus locaux donc régionaux, départementaux, euh, surtout municipaux. La très grande majorité, c'est des élus municipaux. La plupart d'entre eux sont bénévoles. Et ceux qui ont des indemnités, euh, c'est très très peu comme ça. C'est impossible. Comment ça, c'est impossible <laughs> 44 euros pour 45 000 habitants. Bah ouais, mais si t'es conseiller municipal d'opposition, t'as aucune délégation, t'es pas adjoint au maire. Après, il y a des frais remboursés. Non. Oh non, pas pour des députés municipaux. Pas pour des députés municipaux. 44 euros, même pour une petite commune, ça n'existe pas. Ah bon? Alors, c'est quoi le minimum, Valentin Non, t'as peut-être raison. Hein. Conseillers municipaux dans l'opposition à Paris. Alors, à Paris, t'as les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris. À Paris, il y a un parlement municipal qui s'appelle le Conseil de Paris, mais il y a aussi des conseils municipaux dans les arrondissements qu'on appelle des conseils d'arrondissement. 241 bruts. Le minimum, c'est 241 bruts. Conseiller dans une petite commune, c'est zéro. Ah oui, oui. Combien d'heures de travail C'est pas un travail élu. Ça ne se calcule pas en heures. Non, c'est le maximum 241 bruts. Bah, tu vois. Tu vois. Euh, pas, pas, ça ne se calcule pas en heures de travail. C'est un, un conseil municipal, c'est un mandat, c'est pas pas un contrat de travail, il y a pas d'heure, il n'y a pas de fiche de poste et tout, ça fonctionne pas comme ça. Merci artzone 216. Merci. Je suis maire dans les petites communes, les conseillers n'ont rien. Ouais, ouais non 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 non, ça je sais. Ça je sais. Là on parlait de la ville de Livry-Gargan qui est une ville de, de quelques dizaines de milliers d'habitants quand même en Île-de-France, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pas comparable avec un village en Auvergne, ça n'a rien à voir. Euh, donc, mais effectivement, les, les, dans les petites communes, c'est que dalle. C'est peanuts pour tout le monde. Hein. Quand je dis que dalle, c'est 0-0. Il hein, n'y a pas d'indemnité du tout, du tout. Euh, voilà. T'as le droit à une décharge salariale quand es élu ou pas Oui, 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 ça dépend. Euh, alors, j'ai pas le détail en tête hein, parce que c'est un peu technique. Euh, c'est un peu technique, mais tu peux avoir une décharge. Euh, auprès de ton employeur, mais pff, ça dépend vraiment de l'employeur. Donc c'est le cas quand tu es fonctionnaire, c'est le cas quand tu es dans des grandes entreprises ou des grands groupes, parce qu'il y a, des, parce qu y a des, des trucs qui sont mis en place, mais par contre quand tu es euh, artisan, indépendant, euh, profession libérale. Mmh. C'est presque de l'associatif en fait. Ah oui, oui, complètement. Donc, euh, donc voilà, je saute du coq à l'âne. Tu as vu l'hypnose chez Domingo, une dinguerie Non, je n'ai pas vu. Non, c'est ce que je vous disais. C'est quoi une décharge salariale Oui, pardon, excusez-moi. Une décharge salariale, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est euh, lorsque tu as la possibilité d'obtenir de la part de ton employeur euh, le fait de réduire ta, ta durée du temps de travail sur la semaine, sur le mois ou sur l'année, ça dépend, euh, compte tenu de tes obligations en dehors du travail qui te prennent du temps sur ton temps de travail. Donc, une décharge, c'est une réduction de ton volume horaire euh, de travail qui est compensée auprès de l'employeur, machin, sans perte de salaire. Oui, sans perte de salaire. Donc, par exemple, tu as ce qu'on appelle les décharges syndicales. Euh, décharges syndicales, par exemple, il y a des, les, les, dans, dans les grandes entreprises, les, euh, les syndicalistes qui sont élus par leurs collègues pour les représenter et pour euh, s'occuper avec eux, de, pour les accompagner dans leurs démarches euh, de ressources humaines. Euh, sont mis à disposition par l'entreprise, ils ont une décharge qui peut, être, qui peut aller jusqu'à une décharge complète de, euh, de travail. Les membres du CSE, oui, voilà, les membres du comité social d'entreprise, euh, lorsqu'il y a la réunion du comité social d'entreprise, ils ne sont pas obligés d'être à leur poste de travail, évidemment, puisqu'ils sont élus pour siéger au comité social d'entreprise, donc ils ont une décharge. Euh, donc tu as des décharges comme ça, tu as des décharges pour les sapeurs-pompiers volontaires, je crois, pour les pompiers volontaires. Les papiers volontaires ont le droit de quitter le travail euh, y, 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 voilà, euh, pour aller euh, intervenir sur un incendie. Pour les réservistes de l'armée aussi, il y a une décharge. Pour, ou de la gendarmerie nationale. Euh, donc pour les syndicalistes, il peut y avoir une décharge. Pour les euh, élus, il peut y avoir une décharge. Je dis peu parce que c'est pas automatique, c'est compliqué, ces machins, faut le demander et tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La SNSM aussi, bien sûr, les sauveteurs en mer, oui, les sauveteurs en mer, pareil. Sauveurs en mer peuvent avoir une décharge qui fait qu'ils doivent se barrer du boulot vide vide pour sauter dans un bateau et aller euh, porter secours. Il euh... n'y a pas de décharge pour les pompiers volontaires. Il n'y a pas de décharge pour les pompiers volontaires. Ok, je savais pas. Je croyais, je croyais. Pour les sportifs, oui. Pour les sportifs aussi. Ouais, ouais. pour les sportifs euh, qui préparent les Jeux olympiques, des compétitions, machin, euh, il peut il peut je, encore une fois je dis c'est une possibilité y avoir des décharges. Oui, c'est ça, ça, il faut un accord de l'employeur. Oui, c'est ça, il faut un accord de l'employeur. Donc quand je, quand, je, quand je dis que c'est une possibilité, ça veut dire que tout le monde l'a. ça veut dire que si l'employeur est d'accord, un populaire volontaire peut avoir une décharge, un sauveteur, un sportif et tout. Voilà. Donc sachez-le. Sauf réquisition du préfet ou convention. Oui. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu peux être réquisitionné, notamment quand tu es réserviste dans la gendarmerie ou pompiers volontaires. Là, par exemple, cet été, euh, quand il y a eu les incendies, il euh, y, y a des pompiers volontaires qui ne qui, qui sont pas allés bosser pendant des jours entiers. Hein. Et voilà. Et donc, leur employeur ne peut pas les licencier euh, en disant ah, il n'est pas venu travailler. Ben bah, non, il avait une. Enfin, voilà, l'employé le, le a dit le salarié a une décharge. C'est écrit je suis pompier volontaire, il y avait des incendies, euh, je suis intervenu sur feu, machin. Euh... Un sportif de haut niveau souvent remercie son employeur, donc c'est une forme de pub. J'ai jamais entendu un sportif de haut niveau remercier son employeur. Euh... Donc, euh... si la RATP, d'accord, ok. Les militaires au biathlon, ah ok. En même temps, je dis ça, mais j'écoute je, je, très peu les sportifs. <laughs> je dois bien le reconnaître, donc euh, effectivement, vous m'apprenez quelque chose, et eh bien très bien. Euh... Oui, alors du coup, je, je, sais que, je sais que ça vous brûle les lèvres, on va en parler le, le, le tweet d'Emmanuel Macron. Comme l'année dernière, le président de la République s'est fendu d'un tweet à l'occasion du The Event pour féliciter euh, euh, les donations. Euh, bah on peut re-regarder la vidéo si vous le souhaitez. Hein. Mmh, mmh, mmh. Hop. Je remets ça. Hop. Pour ceux qui l'ont pas vu. Tous parce que... Non, attends, hop. Arrête-toi là. Alors, Macron sur Twitter. Non, putain, il fallait mettre le son d'abord. The Event, bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite et en soutenant non pas une association mais cinq associations cette année. On en a vécu les conséquences directes cet été avec la sécheresse, les feux, mais ça n'est plus un sujet de débat, mais d'action, de mobilisation et donc merci de vous mobiliser avec The Event pour justement nous nous battre pour limiter les émissions et euh, répondre à ces dérèglements climatiques qui sont déjà là. Et il aurait pu s'arrêter là. 43 secondes, euh, simple, sobre, euh, sur l'urgence de la situation. Il n'en fait pas des caisses sur son action ou son inaction. Ça aurait été, ça aurait été mieux s'il si, euh, se livrait un peu en disant Je sais que ça fait débat, je, je, voilà. euh, je sais que. Le gouvernement... Euh, vous êtes nombreux à considérer que le gouvernement n'agit pas suffisamment et tout. Il, il aurait pu euh, fendre l'armure et tout, mais c'est pas son style, donc il ne fallait pas s'attendre à ça. Il aurait pu s'arrêter là. Jusque-là, ça va. Ouais, jusque-là, c'est simple, sobre, euh, basique, euh, voilà. Mmh. Classique Ozef. Oui, c'est ça, voilà, classique Ozef. Enfin, classique Ozef, ceci étant, je, je, je le redis encore une fois, euh, on va en parler après avec Antoine Daniel et, et Flo, etc. Ce qui, ce qui les énerve, c'est ce qu'on appelle la récupération politique. C'est la crainte qu'un président de la République se fasse mousser politiquement sur le dos d'un événement pour lequel il n'a rien fait, etc. Ou, ou, pour, pour le, sur, ou sur le dos d'un événement, ou à l'occasion d'un événement qui lève des fonds. Euh, pour mobiliser des associations dans un domaine dans lequel l'État n'agit pas suffisamment. Vous voyez ce que je veux dire euh, Ceci étant, il euh, ne faut pas être ingrat non plus. Euh, le, 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 le fait que l'institution de la présidence de la République reconnaisse et valorise une initiative comme le The Event n'est pas en soi quelque chose à, à rejeter. faut pas... Euh, ben on peut en discuter, hein, c'est mon opinion et, et, je, et je vous la partage. Mais euh, on. on on peut se dire aussi que c'est le rôle d'un chef de l'État que d'apporter la reconnaissance de la nation lorsqu'il se passe des choses dans le pays qui méritent le fait d'être soulignées, applaudies, remerciées. Bravo, quoi. Voilà, bravo. Euh, au nom de la nation, c'est le rôle aussi d'un président de la République. Encore qu'on peut en discuter, hein, mais voilà, c'est le rôle d'un président de la République ou d'un chef de l'État en exercice que de féliciter euh, le lauréat. Euh, euh, d'un prix Nobel, le lauréat euh, d'un Oscar euh, au cinéma, euh, les champions de sport euh, et d'e-sport d'ailleurs. D'ailleurs, quand Emmanuel Macron avait annoncé en juin dernier qu'il euh, qu recevrait à l'Élysée les futurs champions français de compétition internationale d'e-sport, moi à titre personnel, je m'étais dit c'est bien. C est, c est, c est, on s'en branle, c'est symbolique, mais c'est un symbole qui veut dire quelque chose d'important. Dans l'histoire du, du jeu vidéo français. Euh, donc voilà. Donc The Event, c'est un événement qui marque, qui est impressionnant, dont on parle beaucoup dans la presse, et donc ça ne me choque pas en soi que le président de la République fasse savoir euh, la reconnaissance de la nation. Quoi. La question, c'est la méthode, la manière, la manière avec laquelle c'est fait, les sous-entendus euh, ou les sous-objectifs qui peuvent être. Euh, recherché par, la, par le président en exercice, parce qu'un président n'est jamais neutre, euh, voir les retombées que ça peut avoir sur l'événement lui-même. Après, vous remarquerez que, et ça je vous invite toujours à le garder en tête, c'est important, euh, on accuse toujours beaucoup plus facilement de récupération politique les personnalités politiques avec lesquelles on est en désaccord à titre personnel. C'est normal. C'est un réflexe naturel, normal, c'est sain en démocratie. Les gens dans le camp d'en face ont, enfin, on prête toujours des intentions malveillantes aux personnes qui sont dans le camp d'en face. C'est normal. Quand c'est des gens qui sont d'un camp avec lequel on a tendance à être d'accord à titre personnel, quel que soit ce camp-là, hein, c'est pas le sujet, on a tendance à dire que non, non, mais c'est normal, ils ont raison. C'est humain, voilà. Donc, euh, donc les personnes qui soutiennent Emmanuel Macron ont dû regarder cette vidéo en se disant, bon, bah, c'est chouette, c'est cool. C'est un président euh, jeune qui félicite le The Event, il est en phase avec son temps, euh, bah, c'est bien, il a raison, le The Event c'est trop bien, euh, d'ailleurs j'ai donné, donc euh, bah, c'est cool et tout. Euh, et les opposants à Emmanuel Macron ont, euh, ont dû regarder ça en se disant, c'est intolérable, j'en peux plus, j'ai envie de mourir. Euh... Ah bon. Jamais dans la demi-mesure, hein, toujours dans l'excès, c'est normal. La politique, c'est aussi souvent ça. Et à l'inverse, l'année dernière, quand euh, Jean-Luc Mélenchon avait fait un tweet pour féliciter le The Event, bah, les Mélenchonistes avaient trouvé ça formidable, très bien, génial. Euh, Mélenchon, number one. Euh, voilà. Et les anti-Mélenchonistes étaient en mode bah, Putain, <laughs> il a honte de rien, le papy. Voilà, vous voyez Donc, euh, à garder en tête. Euh... Il l'aurait pas fait, on aurait eu le même débat d'après moi. Bah, peut-être, on peut, on peut en discuter. Euh, peut-être, on peut en discuter, mais euh, comment dire euh, Moi, je fais partie des gens qui estiment que s'il l'avait pas fait, je lui aurais reproché. Alors, je l'aurais peut-être pas fait publiquement. Mais, euh, mais j'estime, c'est mon point de vue, hein. j'estime que le The Event est un événement qui euh, lève 10 millions d'euros pour des causes auprès d'un public jeune, mobilisé sur Internet, qui a un rayonnement international, euh, j'estime qu'il faut que le président de la République euh, fasse savoir euh, qu'il qu est au courant que ça existe et dise, et dise bravo, euh, c'est une belle mobilisation. Après, je n'ai pas dit qu'il devait en faire une vidéo, j'ai pas dit qu'il devait en faire un tweet, etc. Ça peut être un communiqué de presse, ça peut être un, ça peut être un tweet, ça peut être... Euh... Un truc plus léger, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Voilà. Nous, on estime qu'il doit agir sur tout. Ah, mais l'un n'empêche pas l'autre. Attention 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 L'un n'empêche pas l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire que <laughs> le fait qu'ils disent Big Up le G-Event l'autorise à ne pas suffisamment agir en faveur de l'environnement. Attention Donc, euh, donc, voilà. Euh, avant d'écouter la suite, je vous rappelle, pour qu'on se remette dans le contexte, qu'en juin dernier, à l'occasion de la finale de la Trackmania Cup à l'Accord Arena de Paris, organisée déjà par Zerator à l'époque, Emmanuel Macron avait organisé une réception au Palais de l'Elysée, à Paris, donc, euh, la veille de la Trackmania Cup, pour recevoir les représentants français de l'e-sport et, et du gaming. C'était la première fois euh, en France que le chef de l'État, qu'un chef de l'État, recevait solennellement à l'Élysée les représentants du secteur du jeu vidéo et de l'e-sport euh, pour les féliciter, leur, leur apporter la reconnaissance de la nation, les félicitations de la nation, et pour parler de, euh, de l'avenir euh, du jeu vidéo en France, de la volonté de l'État, en tout cas via son chef, le chef de l'État, que, euh, que, le, que le pays. Euh, se mobilise en faveur de sa filière jeux vidéo, de ses, de ses, de ses sportifs aussi, de ses e-sportifs, appelez ça comme vous voulez. Donc, euh, donc voilà, donc cette réception avait eu lieu en, en juin dernier. Moi j'y étais, j'avais été invité à l'Elysée à cette occasion-là. C'était une réception tout à fait symbolique, pas très intéressante. On était en pleine guerre en Ukraine déjà, euh, où Emmanuel Macron n'avait pas dit grand-chose d'autre que euh, bravo pour ce que vous faites, euh, il faut qu'on développe. Le jeu vidéo en France, c'est un fleuron. Euh, on est un grand pays de jeux vidéo et c'est vrai. Et euh, la filière e-sportive doit, doit se mobiliser. Je veux qu'on développe des ligues. Il avait dit des trucs comme ça genre, je veux qu'on développe des ligues. Je veux qu'on développe. Euh, euh, je veux que la France accueille des compétitions internationales de jeux vidéo à l'occasion notamment des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ça ne veut pas dire euh, discipline olympique, hein, c est, c est, mais sortez ça de votre tête. C'est à l'occasion de l'accueil par la France de la plus grande compétition sportive du monde en 2024. En parallèle, la France pourra accueillir, ou devrait, enfin c'était un souhait qu'il émettait, que la France accueille un, une ou plusieurs compétitions de jeux vidéo, euh, etc. Donc oui, c'est du soft power, c'est du, du rayonnement international, euh, et c'est que la France démontre sa capacité à être un grand pays de jeux vidéo. Donc il avait dit ça, il avait parlé de structuration de la filière de l'esport, il avait parlé de culture. Le ministère de la culture doit aussi être. Euh... En plus, il venait de nommer le nouveau gouvernement. Donc, il y avait la nouvelle ministre de la culture qui était là, Rima Abdulmalak. Elle était là euh, devant lui, elle l'écoutait, elle, elle opinait du chef quand il disait tout ça. Euh... Donc, voilà. Donc, la culture du jeu vidéo aussi, la culture française, les studios de développement et tout machin. Euh... Donc, voilà. Et donc, du coup, dans la suite de sa vidéo, vous allez voir, il décide de profiter de cette vidéo Big Up the Heaven pour revenir en détail, euh, enfin, revenir sur, sur ses engagements et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. La deuxième raison d'être de ce message, c'était aussi vous donner des nouvelles des rendez-vous sur lesquels je m'étais engagé il y a quelques mois, lorsque les acteurs de l'e-sport étaient venus à l'Elysée et m'avaient demandé de mobiliser la France pour qu'on soit au rendez-vous. Alors, je voulais vous donner des nouvelles. La France accueillera deux grands événements. Donc là, il est évidemment en train de lire une note hein. et c'est normal et c'est pas malsain et c'est <laughs> faut pas enfin, on peut en discuter. Euh... Je veux dire, on sait qu'Emmanuel Macron à titre personnel, Emmanuel Macron n'a pas de culture jeux vidéo à titre personnel. On sait qu'Emmanuel Macron n'a pas de culture web à titre personnel. Emmanuel Macron n'est pas un utilisateur du web. Emmanuel Macron ne surfe surf pas sur Internet le soir, peinard dans son pieu, avant d'aller se coucher. Emmanuel Macron ne scrolle pas sur Insta, sur TikTok. Euh, il va pas jeter un oeil sur Twitch et sur YouTube euh, pour voir ce qui se passe, quoi. C'est pas son truc. On le sait. Emmanuel Macron est un homme de l'écrit, de la littérature. Il aime les livres. Il aime le cinéma. Il aime la musique, le jeu vidéo et le web. C'est pas son truc. Faut pas lui en vouloir. Enfin, faut pas vous en vouloir. Faites ce que vous voulez. Si vous lui en voulez pour ça, moi, je trouve ça un peu naze, mais. Et comme ça, il y a des hommes politiques, c'est leur truc, il y en a d'autres, c'est pas leur truc. Euh, voilà. Donc Emmanuel Macron, quand il parle de Counter-Strike et de Trackmania, évidemment qu'il y un petit papier, parce que je pense qu'il sait même pas ce que c'est, Counter-Strike. Internationaux exceptionnels en 2023 et en 2024. Dès l'année prochaine, en 2023, au mois de mai, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer. Le Blast TV Major Counter-Strike se tiendra à Paris. Le tout premier Major de Counter-Strike organisé en France et ce sera à l'Accord Arena à Paris, dans moins de 10 mois donc. Ça c'est la première nouvelle, je sais qu'elle était attendue par beaucoup. La deuxième c'est qu'en 2024, c'est une autre compétition mondiale que nous accueillerons. Zerator s'en souvient, on en avait parlé et il avait lancé le défi. En 2024, la France accueillera donc les premiers Trackmania Games. Et surtout, on va mobiliser tout le monde pour que, autour des Jeux Olympiques, l'ESport soit pleinement mobilisé, que vous toutes et tous soyez aussi des acteurs à plein. Mais avec ces Trackmania Games, on aura des champions venus du monde entier. Vous entendez derrière Il y a un avion qui passe. Euh, je crois que c'est un jet privé. De ce que j'entends, c'est un, un Falcon 5X. À, qui doit être à 10 ou 15 000 pieds d'altitude, et, euh, et il faudrait qu'ils changent l'huile dans le moteur gauche d'ailleurs, parce que ça, ça s'entend. Qui seront en France, à Paris, pour cette compétition. Voilà les deux petits messages que je voulais vous passer en deux minutes. Merci et bravo. Je compte sur vous ce soir, comme d'habitude, et 2023-2024, la France sera au rendez-vous. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bisous. Euh, voilà, donc, euh, donc les deux annonces de ce message. Euh, l'organisation pour la première fois en France d'un tournoi majeur de Counter-Strike euh, en 2013 à l'accord euh, Arena à Paris. Euh, donc la France va accueillir son premier majeur, je crois, de ce que je comprends. Euh, et... Euh, J'ai dit quoi 2013 Non, 2023. Pardon, excusez-moi, j'étais bourré. Euh, et l'organisation des TrackMania Games. À l'occasion des Jeux Olympiques, en parallèle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Euh, il fait un lien avec Zerator en disant on en avait parlé et tout, Je j'en je, ai pas le souvenir, mais peu importe. Euh, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Je ne sais pas du tout euh, par qui c'est organisé, de quoi on parle, what the fuck, à quoi ça va ressembler et tout, j'ai pas d'infos. J'en ai parlé hier à soir à 5h du matin avec Carl Junior et Bren, parce que j'avais la chance d'être avec Karl et Bren euh, en train de papoter donc ils sont deux parmi, parmi les deux meilleurs joueurs du monde de Trackmania Karl euh, m'a dit j'étais au courant de rien <laughs> jamais entendu parler de ça et Bren il m'a dit oh, si si je crois que j'en avais entendu parler de ce truc euh, voilà en tout cas Karl et Bren m'ont dit qu'ils étaient hyper heureux euh, de cette annonce euh, ils trouvent ça trop cool alors, non, c'est pas tant ça que ce sera sans doute organisé par Nadéo des organisateurs d'events sur le jeu de base, un peu comme le SWC à l'ancienne. D'accord, ok. Ah, salut, tac. Ok, ok, tac, merci. T'en avais entendu parler, toi, tac Ça m'intéresse. Euh... Donc... Euh... Non, en fait, en fait non, Cariban ne m'ont pas dit qu'ils étaient hyper heureux de l'organisation de ce truc. Ils, ils m'ont dit surtout que c'est les évolutions futures de Trackmania. Trackmania est un jeu qui a vocation à s'ouvrir de plus en plus, à avoir de plus en plus de joueurs. Euh, et ça, ils sont super contents. Euh, que je comprends évidemment, hein. c'est des joueurs de haut niveau de ce jeu et tout joueur de haut niveau a envie qu'il y ait un maximum de joueurs sur son jeu. Parce que du coup, ça. il en parle sur le stream avec Dash actuellement. Mmh. Ok, d'accord. Euh... Zerator a dit qu'il avait évoqué avec Macron Trackmania comme le meilleur jeu pour un premier Jeux Olympiques. Alors, il a complètement raison. Alors, pour le coup, moi, je suis totalement, totalement d'accord avec Zera. Et Zera l'a toujours dit, et il a parfaitement raison. Trackmania est un excellent jeu pour faire des Trackmania Cup et des, et des événements. Euh, genre Grand Rex, Zenith, euh, Bercy, etc. Pour la simple et bonne raison que Trackmania est un jeu qui est facile à comprendre. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, vous pouvez facilement le comprendre. Il est lisible. Comme Rocket League. Euh, quand, voilà, Trackmania, Rocket League. Ça fait partie de ces jeux qui sont faciles à comprendre. Les versus fighting aussi, c'est facile à lire, même pour un débutant qui a jamais joué au jeu, euh, voilà. Euh, à la différence de jeux comme Counter Strike, euh, League of Legends, Starcraft II, euh, Dota, euh, etc., qui sont des jeux euh, difficilement lisibles pour les non joueurs. Il faut avoir joué, je pense, hein, qu'il faut avoir joué. Valorant pareil. Il faut avoir joué au jeu pour comprendre la lisibilité de ce qui se passe à l'écran. Voyez euh, Voilà, Trackmania, c'est des voitures. Il y a une départ, il y a une fin. Il y a un départ, il y a une fin, il faut aller le plus vite possible. Tu poses tes yeux deux minutes sur le jeu, tu comprends. Tu comprends un minimum ça. Euh, voilà. Euh, donc je suis totalement d'accord avec Zera pour dire que Trackmania est un excellent jeu pour organiser un premier truc en parallèle de Jeux olympiques. Euh, voilà. En plus, quand c'est bien joué, c'est super stylé. Par ailleurs, je suis d'accord avec toi. GTA est un jeu, euh, pas GTA, pardon. Trackmania est un jeu qui est assez esthétique à regarder. C'est assez beau. C'est voilà. Et CS:GO, non, CS:GO, c'est dur à lire. Je suis désolé, CS:GO, c'est dur à lire. Hein. Il y a des changements de cam. Tac, t'as répondu. Qui m'a dit tac Merde, pardon, j'ai pas vu ta réponse, tac. Excuse-moi. Jamais entendu parler. L'info devait être très très cachée. Je pense en tout cas que c'est en parallèle de la sortie du jeu sur toutes les plateformes. Bah oui, c'est le cross plateforme. Et qu'en face d'un tournant qui peut faire TM devienne mainstream. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, C'est bah, ce dont je discutais avec Bren et Carl hier soir. Bren, Bren et Carl me disaient le cross-platform pour Trackmania, c'est trop de la balle. C'est littéralement l'avenir du jeu. Euh, ça y est, c'est ouvert en cross-platform euh, et c'est trop bien. Enfin, ça va être ouvert en cross-platform et ça, c'est énorme. Et en parallèle de ça, du coup, Trackmania, euh, <coughs> Trackmania Games à Bercy. Euh, pas à Bercy, pardon, à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc voilà. Euh, mais bref. Donc voilà. Et surtout CS:GO terrorise, bombe, c'est bof pour l'image. Ouais, ça, en vrai, j'ai envie de te dire, pff, on a dépassé ça depuis longtemps, non J'en sais rien. CS:GO, c'est violent. Non mais CS:GO, ça n'a rien à voir avec les JO. C'est en 2023 et pas en 2024, et c'est un et c'est un major, donc euh, c'est des tournois qui existent déjà. Euh, c'est un jeu qui est déjà installé. C'est voilà. Et surtout c'est le blast machin donc c'est pas c'est pas c'est pas l'État qui organise ça donc bon même qui soutient même de près même de loin donc euh, whatever quoi. En tout cas je passe pas souvent ici mais GG pour le Z Event. Merci Taks ça fait plaisir merci beau gosse euh, donc voilà mais le problème de cette vidéo d'Emmanuel Macron c'est pas ça euh, le problème c'est le comment dire c'est l'opportunité il y a un problème d'opportunité dans cette vidéo, euh, dans ce message du président de la République. Alors, c'est mon opinion. On peut considérer que non, non, euh, c'est très bien, Emmanuel Macron a raison, et je peux le comprendre, et ça peut s'argumenter. Euh, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron s'adresse au public du The Event. Il s'adresse sa à The Event. Donc, euh, il ne s'adresse pas à Zerator directement, il ne s'adresse pas aux au streamers directement. Il ne s'adresse pas à l'ensemble des viewers directement et des donateurs, il s'adresse à tout le monde en même temps. Okay euh... Dès lors, on se demande quel est le message. Et son premier message est assez simple. C'est pour ça que je vous dis il aurait pu s'arrêter sa vidéo au bout de 43 secondes, parce que son message, c'est euh, Bravo. Euh, bravo. Cool. Bravo pour votre mobilisation. Ça, c'est gentil, ça moche pas de pain. Euh, c'est ce, ce que dans le jargon, on appelle des messages à la Miss France. Vous savez, euh, les trucs lénifiants un peu nuls. Miss France, quand on lui demande si elle a un message à faire passer, elle dit toujours des trucs plats et creux. Ben voilà, c'est pareil. Euh, Miss France, elle dit euh, Moi, je veux la paix dans le monde. Et je veux qu'il n'y ait plus d'enfants qui meurent de faim. Voilà, c'est de la merde. Enfin, euh, c'est pas de la merde, c'est plein de bons sentiments. Il aurait pu s'arrêter là, c'était déjà bien. Euh, le truc, c'est que le président de la République ne peut pas se permettre de faire des messages à la Miss France comme ça enfin euh, c'est pas qu'il peut pas, c'est que déjà il le veut pas sinon, sinon il ferait pas de message en fait car un président de la république prend la parole et fait un message c'est qu'il a des trucs à dire <laughs> en tout cas dans la version moderne de ce que l'on cons qu considère être la, la communication politique élémentaire même pas la communication politique, la communication institutionnelle parce que c'est le problème du président de la république, ça je vous en parlerai mais le président de la république ça dépasse la seule communication politique et ça devient de la communication institutionnelle c'est le problème du costume du président de la république euh... Emmanuel Macron, dans ce message, euh, il ne peut pas ne pas parler de la thématique dont on parle. Le The Event, c'est pas un événement cool où on lève de l'argent pour des assos. Le The Event, c'est un événement cool au cours duquel on se mobilise pour lever de l'argent pour des ONG, pour des associations et des organisations qui agissent en faveur du climat et de l'environnement. Or le climat et l'environnement, c'est un sujet qui ne peut pas ne pas être politique. Il y a des sujets sur lesquels on pourrait débattre, de savoir euh, finalement est-ce que c'est politique euh la prise en charge de l'autisme, le handicap, on, peut, on pourrait en discuter, on pourrait en discuter. Euh, le, le, le climat, l'environnement, c'est très difficile de le dépolitiser. Emmanuel Macron le sait très bien, donc il ne peut pas ne pas sortir une phrase au moins sur l'importance du sujet. Emmanuel Macron, dans son message, il, il utilise habilement un double, un, un double, un double sens. C'est qu'il. En fait, c'est très habile ce qu'il fait. Euh... <laughs> c'est très sournois. Ça dépend comment vous voyez les choses. Hein. Si vous êtes pro Macron, vous dites qu'il est... Qu est que c'est un génie. Si vous êtes anti Macron, vous dites que c'est un manipulateur. Euh... Il lit dans une même phrase ou dans une même intention euh... l'importance du sujet et la continuation du combat que nous menons ensemble, sous-entendu vous et moi. Euh... Emmanuel Macron, ça, ça, ça c'est très macronien comme, comme dispositif de communication, le nous inclusif qui, qui en fait veut dire je, quand ça l'arrange. Euh, quand il dit, euh, voilà, c'est un sujet euh, majeur, nous l'avons vu cet été à l'occasion euh, des feux de forêt, on ne peut pas ne pas être d'accord. Oui, là il dit une banalité, dans le sens où euh, il a raison. Alors ça, vraiment, c'est le béaba de l'analyse politique élémentaire. On a vu cet été les conséquences dramatiques du changement climatique sur notre propre sol. On ne peut pas faire genre, on l'a pas vu. Voilà. Tout ça jusque là, euh, tous les hommes politiques le disent, de droite, de gauche, de diagonale. C'est pas la peine de s'en prendre à Macron là-dessus. Euh... <coughs> Mais dans la foulée, il enchaîne en, di en disant et nous continuerons à agir. Alors comment il le dit Attends. The event. Bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite, et en soutenant non pas une association, mais cinq associations cette année. On en a vécu les conséquences directes cet été avec la sécheresse, les feux, mais ça n'est plus un sujet de débat, mais d'action, de mobilisation, et donc merci de vous mobiliser avec The Event pour justement nous nous battre pour limiter les émissions et euh, répondre à ces dérèglements climatiques qui sont déjà là donc merci de vous mobiliser pour nous permettre de réduire les émissions et c'est là qui s'inclut et c'est là qu'en fait il fait le lien avec euh, avec euh, avec The -à dire au début il fait un lien faible en disant vous vous mobilisez en faveur de l'environnement et c'est un et c'est un combat que je partage donc ça c'est relativement euh, c'est lui qui s'associe à notre truc dans la phrase suivante, il fait le lien en disant euh, « Merci de vous mobiliser pour nous permettre de réduire les émissions et d'aller plus loin. Bon, » En l'occurrence, a... aucune des associations ne travaille spécifiquement sur les émissions, mais elles le font tout un peu tous, quoi. Tout, tout un peu à leur manière. Deuxième raison d'être de ce message. Et, euh, et donc du coup, voilà, c'est ça, c'est ce lien d'association qu'il fait, où le deuxième lien est plus fort que le premier. Quoi. Donc il s'associe à nous et il nous remercie euh, il nous remercie ou, ou il ne sait pas si il laisse entendre que euh, c'est une façon pour nous de soutenir son action ou en fait son action est la nôtre il considère qu'elle est alignée et il a raison de le considérer parce que c'est son point de vue on <coughs> peut pas dire qu'on va être d'accord avec lui mais c'est son point de vue tu trouves pas que tu cherches la petite bête non je ne cherche, je, je cherche pas à critiquer pour critiquer j'essaye de vous proposer une analyse de ce que dit Emmanuel Macron j'essaye de vous faire prendre un peu de distance critique vis-à-vis -vis de ce que vous regardez pour que vous tombiez pas dans la caricature un peu un peu débile consiste à dire euh, oh mon dieu quelle horreur c'est absolument c'est une infamie ce que fait macron c'est insupportable intolérable franchement le mec c'est hitler quoi voilà j'essaie de vous empêcher de tomber là-dedans de la même manière que j'essaie de vous empêcher de tomber dans le oh, putain c'est trop de la balle c'est génial le président oh là là il reconnaît the event franchement c'est une reconnaissance énorme waouh il claque quoi voilà j'essaie de non pas, que je, non pas que je défende l'idée qu'il y a un juste milieu, euh, et qu'il faut, qu faut dépolitiser, etc. Je vous dis juste qu'il que y a des éléments, il y, y a des choses que l'on se dit parce que c'est Emmanuel Macron et qu'on a un rapport personnel à Emmanuel Macron, que ce soit un rapport d'adhésion ou un rapport de, de rejet, euh, mais que, que, que si Jean-Luc Mélenchon avait remporté la dernière élection présidentielle, c'est lui qui serait là sur Twitter en train de dire sensiblement la même chose. Et c'est marrant, il y en a deux trois sur le chat. Je me dis qu'ils n'auraient pas le même avis. <laughs> c'est voilà. C'est pour ça que j'essaie de vous prendre, de vous faire prendre la distance critique et d'essayer de faire la part des choses entre ce qui relève du chef de l'État, de ce qu'il faut regarder comme étant institutionnel et qui peut être connu pour ce que c'est, euh, et ce qui relève de l'animal politique qui est Emmanuel Macron. Et quand je dis animal politique, c'est pas forcément une critique. Ça peut aussi être une reconnaissance de putain, il a du talent l'enfoiré. Vous voyez. Donc vous prenez ça comme vous le souhaitez donc voilà je vous donne juste du grain à moudre euh, voilà mais le problème pour en, revenir, pour en revenir en prenant de la distance par rapport au message vidéo le vrai problème que moi j'y vois à, à, ce, à cette vidéo d'emmanuel macron c'est que il y a un mélange des genres qui est chiant et qui montre qu'il n'a rien compris et que les conseillers qui l'entourent n'ont rien compris Pareil, on ne peut pas leur en vouloir. Euh, moi, je suis le premier à. Je refuse d'être un conservateur sur Twitch en mode nous, les gamers, on a tout compris, on est sur Internet, euh, MDR, les vieux, c'est tous des cons. Euh, ils n'ont rien compris à notre monde. Je suis le premier à souhaiter que notre monde euh, s'ouvre, que d'autres gens découvrent Twitch, que d'autres gens découvrent le jeu vidéo, qu'ils l'apprécient. C'est pour ça que je fais partie des gens qui souhaitent qu'on développe euh, l'e-sport, le gaming, le streaming, euh, que plus de gens jouent aux jeux vidéo, que plus de gens découvrent ce qu'on fait et tout. Donc, moi, je, moi, je suis l'inverse des conservateurs qui sont en mode non, euh, c'est mon club à moi, il doit être fermé au maximum, il ne faut pas qu'il y ait de meufs, il ne faut pas qu'il qu y, de... qu y, qu y ait de vieux. C'est entre nous Voilà, ça n'a jamais été ma manière d'envisager de, le, le monde du jeu vidéo. Mais, euh, mais ceci étant, euh, l'entourage d'Emmanuel Macron, euh, je ne sais pas qui a écrit ce message, je ne sais pas qui travaille dans sa cellule de communication, etc. Je ne veux pas faire de procès d'intention, euh, je ne veux pas faire de caricature non plus. Euh, le gatekeeping, oui c'est ça, je cherchais le mot, le gatekeeping. Euh, voilà il, il m'a l'air d'être entouré par des gens qui n'y connaissent pas grand chose qui n'y comprennent rien et qui ne comprennent pas l'essence profonde de ce que le The Event et de ce que c'est Twitch qui du coup dans leur tête tout ça se mélange un peu et qui se disent ah bah tiens quitte à faire un big up pour le The Event autant leur parler de gaming et de ». E et en fait elle est là elle, pour moi elle est là la, elle est là la connerie quoi c'est dommage parce que du coup tu as une contradiction entre, euh, entre le Emmanuel Macron qui, dans la première partie de son message, nous félicite de nous mobiliser en faveur d'associations pour, 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 pour donner du pognon euh, euh, à des ONG, sous-entendu en dépassant le, le gaming, l'e-sport, Twitch, on va plus loin que ça, on, on raccroche notre action et notre investissement à une cause qui nous dépasse. Et dans la deuxième partie de son message, il nous renvoie à notre statut de « gamer » En disant, bah, tiens, je vais leur parler de gaming, ça leur fera plaisir. Et, <laughs> et, et putain, je, je, je vois bien ce, le genre de réflexion que tu as quand tu es conseiller communication. Que, que Emmanuel Macron, il parle pas de jeux vidéo tous les jours, hein, clairement. Il parle de jeux vidéo deux fois dans l'année. Une fois à la Trackmania Cup à Bercy, euh, à l'Elysée, une autre fois aux The Event. C'est les deux seules prises de parole du président de la République sur le sur e et le gaming. Et peut-être une fois un tweet pour euh, féliciter la CACORP euh, qui a gagné encore. Ou Vitality ou je sais pas qui je ne prends pas parti je ne vais pas le savoir. Voilà donc il y a trois prises de parole dans l'année d'Emmanuel Macron, du chef de l'État de la République française sur le sujet du jeu vidéo. Donc du coup je comprends que le service com se dise bon bah on n'a pas beaucoup de véhicules dans l'année dès qu'il y en a un, on va essayer de on va essayer d'en profiter pour faire passer plusieurs messages. En soi c'est pas débile. <laughs> euh, en soi c'est pas complètement débile sauf que là du coup ça tombe très mal et c'est ça le problème c'est que je suis partagé entre je leur en veux pas parce que c'est des gros cons euh, sortis d'école de communication qui comprennent rien à Internet. Euh, et en même temps, je leur en veux parce que c'est des gros cons sortis d'école de communication qui comprennent rien à Internet. <laughs> euh, voilà, c'est encore du tocard en costardé de chez Havas, là. Ça m'énerve. <laughs> bon, je sais pas si je leur en veux ou pas. J'en ai pas grand-chose à foutre. Toujours est-il que ça la fout mal et que moi, c'est un peu comme ça que je l'ai reçu... Pendant le The Event, et c'est pour moi, ma réaction, elle était à mi-chemin entre celle de Ponce, qui dit on s'en bat les couilles, et c'est sa seule réaction, c'est on s'en bat les couilles, du tweet du président de la République, et la réaction d'Angle de, 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 Droit et d'Antoine et Daniel, qui était une réaction énervée, épidermique, que je comprends aussi. Et moi, j'étais à mi-chemin entre les deux, parce qu'il y a une partie de moi qui me disait, j'en ai rien à branler de l'accueil par la France aux Jeux Olympiques de, de Trackmania Games et d'un major de CSGO l'année prochaine et la raison pour laquelle j'en ai rien à branler c'est parce que là je suis aux The Event et je suis en train de lever des dons pour des assos pour un sujet important, premier degré euh, on rigole pas enfin on rigole pas, si c'est le The Event on se marre mais justement il y a un décalage marrant entre l'importance du sujet et la légèreté avec laquelle on lève des dons et, euh, et du coup euh, et du coup, voilà, il y avait une partie de moi qui était en mode Ozef, parce qu'en fait, je ne veux pas accorder d'importance à ce message qui est complètement à côté de la plaque. Et d'un autre côté, un décalage qui m'énervait, où je me disais, putain, si euh, bah, maire Emmanuel Macron euh, pour CSGO et Trackmania, euh, merci, amuse-toi bien, nous, pendant ce temps-là, on s'occupe du climat, tu permets, on a un peu de boulot. Il bah, y avait un peu de ça, je me disais, euh, bah, alors laisse les gens, euh, laisse les gens sérieux s'occuper du sujet, parce que visiblement, tu l'es pas, sérieux. Euh, sur le sujet du climat, euh, nous, si on se pète le cul à lever des dons sur le thème de l'environnement, c'est parce que c'est un sujet qui nous touche, et s'il nous touche, c'est aussi en partie parce que on ne va pas se mentir, nos gouvernements peuvent apparaître décevants pour euphémiser gentiment, tu vois, donc, donc voilà, et donc <laughs> donc du coup, euh, je suis partagé parce que euh, vous le savez, je vous l'avais dit avant le The Event, moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que le monde associatif n'existe que par démission de l'État, que, que dans un monde idéal, l'État devrait tout faire et il ne devrait pas y avoir d'association. Ça ça, ça, ça me terrifie même comme modèle d'ailleurs. Euh, bien au contraire. Mais, euh, mais, euh, mais pour le climat quand même. <laughs> Je veux dire quand même quoi. Merde. Ce n'est pas, pas nos gouvernants qui nous ont mobilisés sur le thème du climat. Je veux dire, si vous et moi, on est, on est un peu à la thème, au thème de l'environnement et du climat. C'est pas grâce à nos ministres, c'est pas grâce à nos présidents de la République, c'est pas grâce aux conférences gouvernementales, au COP et au G7 et au G20. Quoi. Au contraire, c'est grâce au mouvement associatif écologique, écologiste, à toute cette myriade d'associations qui financent des actions et des recherches et de la sensibilisation et qui nous alertent depuis des années, etc. etc., etc. Merci, Uran 16. Au contraire, c'est malgré eux. Ouais, sans doute. Bon, après, euh, là encore, ce, ce que je suis en train de vous dire est, est, est contestable est discutable, et discutable, et je comprends que vous puissiez avoir une opinion différente de la mienne. Euh, je ne je, je, je rentre pas pour autant dans des discours qui peuvent être un peu globalisants et englobants, qui consistent à dire que les États sont les ennemis de l'action climatique et tout. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, comme dirait l'autre. Euh, ça dépend des États, ça dépend des gouvernements, ça dépend des périodes, ça dépend des, 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 des zones de la nation. Puis par ailleurs, moi, je veux pas qu'on mélange tout, qu'on mette tout dans un même panier entre, entre l'État, l'Union européenne et les collectivités locales. Les collectivités locales peuvent être des moteurs puissants d'accompagnement de la transition et même de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. On le voit avec des décisions courageuses qui ont été prises par des collectivités et pas par des États dans certains pays. Pour interdire la publicité pour les véhicules polluants, je passe à Amsterdam, pour interdire les véhicules diesel dans le centre-ville, je pense à Paris bientôt. Euh, donc, euh, donc voilà, les collectivités, c'est pas l'État, quoi. Elles font aussi leurs trucs de leur côté. Les circuits courts, le développement du bio dans les cantines. Euh, voilà, Il y a des trucs qui se font aussi euh, au niveau local et qui ne qui, qui regardent pas l'État directement. Euh, donc voilà. Et non, euh, l'État n'est pas que à la solde des grandes puissances de ce monde, machin, etc. Il euh, n'y a, a, a pas de prédestiné de l'État à être euh, méchant. <laughs> ça, 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 pour le coup, je trouve que ça dépolitise beaucoup et que ça éloigne les gens du vote. Je pense que ça nourrit un, un narratif de... De toute façon, l'État sera jamais au niveau, donc ça, je ne vois pas pourquoi j'irai voter pour le changer. Quoi. Faire gaffe un peu à ça. Ben justement, enfin si, si, on, si on fait partie des gens qui, comme moi, pensent que l'État peut changer les choses, que l'État peut être un moteur du changement, euh, il ne faut pas le voir comme un truc qui sera toujours du mauvais côté. Quoi. Pourquoi ils n'agissent pas alors Ils agissent pas suffisamment ou pas suffisamment vite. Mais en fait, encore là aussi, c'est une question soumise à, à, à débat. L'action est-elle suffisante il je, je... faut juste arrêter de voter pour les méchants. Et encore une fois, je je, 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 je réponds pas nécessairement à la question de qui sont les méchants. Hmm. Euh... Je, je vote pour Mr. MV Bigard tu as bien raison c'est lui l'homme de la situation on vit dans une saucisse taxe carbone on a bien vu comment ça s'est fini oui parce que justement c'est ça aussi qui est intéressant et c'est pour ça que pour moi le débat politique et c'est là qu'on fait de la politique la question environnementale et encore une fois on peut ne pas être d'accord avec moi et je pense que je serais pas tout à fait d'accord avec Salomé Sake sur ce sujet euh L'action en faveur de l'environnement et du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation de nos sociétés aux conséquences du changement climatique euh, n'est pas n'est pas un truc qui appartient au domaine de euh, de la simple vérité scientifique qui suffirait d'appliquer. Il n'y a pas de programme clé, il n'y a pas de programme magique, il n'y a pas de baguette magique. Euh, il y a la question de l'acceptabilité de sociale des, des décisions qui se posent aussi. Et le mouvement des gilets jaunes l'a démontré de manière brutale et intéressante. Une action en faveur du climat qui est bonne sur le papier, n'est pas forcément une action qui se passe bien. Ce n'est pas automatique. Les 80 km/h aussi, bien sûr. Il y a des réticences, des résistances. C'est une question de répartition de l'effort. C'est une question... Des... Et là, on peut en discuter aussi, mais c'est une question de justice sociale. Si l'effort le... si repose toujours sur les mêmes. Là, en l'occurrence, il y a Usul qui a sorti une nouvelle vidéo euh, sur la chaîne YouTube de Mediapart où il parle de ça. Alors lui, il en tire des conclusions sur le, la lutte des classes est intrinsèque à la lutte pour l'action climatique. Mais, mais sur le côté, il euh, y a aussi des gros pollueurs qui branlent de, de polluer. Et c'est un truc intéressant à garder en tête. Euh, c'est vrai. Il y a des, il y a, il y a des, des gros pollueurs euh, qui, qui assument de polluer à mort et qui s'en branlent, mais complètement. Et, genre, et même que ça amuse, ça existe. <coughs> il, y en a aussi, il y a aussi des faibles pollueurs qui s'en branlent complètement, je vous rassure. Hein. Mais ce n'est pas pour faire du wataboutisme, c'est juste que, que ça existe. Donc le problème, c'est que la perception de ça change. La, les footballeurs, oui, notamment. Mbappé qui se marre. Quand on lui pose la question de pourquoi vous allez à Nantes en jet privé et pas en train, ça dénote d'une mécompréhension de la perception que peut avoir le public qui regarde ces images et qui, et qui peut, bah qui du coup en fait. Enfin. Euh, Mbappé se marre parce qu'en fait pour lui, ça n'a pas d'impact. Ce qui est vrai, ça n'a pas d'impact. Sauf que les gens sur qui ça a un impact, le fait de voir Mbappé se marrer, ça ne fait rien d'autre qu'alimenter leur colère et leur rejet. Et ils ont raison. C'est dégueulasse. C'est intolérable. Il n'en a pas conscience. Et il se paye le luxe de ne pas en avoir conscience. Il se paye le luxe de ne pas en avoir conscience. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Donc, euh, pourquoi pas d'impact Parce que Kylian Mbappé, euh, l'augmentation du prix du gasoil n'a pas d'impact significatif sur son pouvoir d'achat à la fin du mois. Ça ne modifie pas ce qu'il met dans son assiette. Alors que les Gilets jaunes, ou en tout cas les personnes qui sont les premières victimes de la crise énergétique, pour ne parler que d'elles, euh, eux, l'augmentation du prix du carburant à la pompe, c'est un sujet d'urgence. C'est-à-dire que ça, ça modifie leur fin de mois. Ça pose la question de savoir si les gosses auront des cadeaux à Noël. C'est une vraie question. Hein. C'est ça pose la question de savoir si vont pouvoir emmener euh, leur, leur femme ou leur mari au, au restaurant pour leur anniversaire. Vous voyez. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que je dis que, que, que les conséquences du changement climatique n'ont pas le même prix pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est indolore. Y a des gens pour qui c'est extrêmement douloureux. Et encore, là je ne vous parle que des Français, parce que je suis chauvin, je ne vous parle pas des réfugiés climatiques, euh, des gens qui vivent dans des régions invivables, euh, dont, dont, dont ce n'est même, même pas une question de, de cadeau à Noël, c'est une question de vie ou de mort en fait. Donc, <laughs> au Pakistan, c'est un exemple, avec les inondations notamment, et les, et les, et les sécheresses, etc. Donc, Donc voilà, ce Donc n'est pas, pas pour charger la barque sur qui a même c'est juste pour essayer de vous expliquer qu'il y, y a une grille d'analyse intéressante sur la perception par les gens victimes du changement climatique de la manière qu'ont les personnes qui n'en sont pas victimes d'en de parler et de le vivre. Voilà. Euh, pourquoi j'en été venu à ça C'était quoi mon, mon train de pensée Je ne sais plus. On parlait de Macron, on parlait du fait de la, de, de la déconnexion du côté, ça tape un peu à côté, sa, sa déclaration, son tweet, que du coup ça, ça a généré des, des sentiments mitigés. Non, mais du coup je me suis posé la question, je me, je me suis posé la question en voyant la vidéo de Macron, de bon, ok, on est critique, on n'est pas content, Macron, on l'aime pas, tout ça, admettons. Mais faisons l'exercice, faisons l'expérience de penser dans notre tête, ça aurait été quoi un bon message d'Emmanuel Macron à l'occasion de Event Alors, aucun message. Moi, je pense, moi, je suis pas d'accord avec vous. On, bon, on peut, on peut ne pas être d'accord. Euh, voilà. Moi, en ce qui me concerne, je considère que euh, un message du président de la République est le bienvenu à l'occasion du The event. Alors, ça aurait pu être un, 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 un tweet court. Ça aurait pu être un tweet court, sobre, qui se contente de féliciter la mobilisation des internautes en faveur du The Event. Euh... Hop. Du genre. Euh... Du genre. Euh... Bravo, à... bravo, à... bravo pour cette belle mobilisation à l'occasion du The Event. Euh... Point euh, et la deuxième phrase, ça peut être un truc. Euh... Les internautes démontrent une fois de plus euh... ou la jeunesse démontre une fois de plus. Je sais pas. Ah j'ai le cerveau cramé là, j'arrive pas à réfléchir. Puis je suis pas payé en plus. Hein. Si j'étais chez Avas, je serais payé pour réfléchir. Donc euh... <laughs> des messages de com. Bon, mais ça au risque d'être un peu léger comme, euh, comme tweet. Un simple GG aurait suffi. Ouais. Mais quitte à faire d'une vidéo, et, et, et je pense que c'est pas une mauvaise chose que le président de la République euh, fasse l'effort de faire plus qu'un tweet, ça montre une reconnaissance. Donc moi je, je, je postule la bonne volonté, donc euh, on va dire que voilà, c'est de la bonne volonté de sa part qu'à partir, partir du moment où il fait une vidéo, je pense qu'il y a deux choses à côté de laquelle un président... C'est pour ça, en fait, j'essaye de penser en dehors de Macron. Mettons Macron de côté. Pensons à un président de la République ou une présidente de la République virtuelle, que je ne connais pas, que, sur laquelle je n'ai pas d'a priori, etc. Quel est, un bon message, quel est le bon message à l'occasion du The Event en même temps, c'est débile de décontextualiser parce que tu ne peux pas décontextualiser. Tu ne peux pas séparer le message de son auteur. Euh... Moi, j'aurais dit, euh, dit un message du genre, un truc très euh, sincère et humble. Je pense que c'est ce qui marche le mieux sur Internet d'une manière générale et sur Twitch en particulier. Et vis-à-vis -vis de vous, euh, plus que tout. Sincérité, l'humilité d'un président de la République qui dit euh, « Vous le savez, le jeu vidéo ne fait pas partie de ma culture. Euh, je je, je, je n'ai je pas pour habitude de jouer aux jeux vidéo. Et quand je vous vois euh, à l'occasion d'événements comme le The Event, ça me fait regretter de passer à côté de cette culture qui a l'air magnifique. Voilà, » Voilà. L'espèce de voilà, de sincérité, d'humilité, je vais dire la vérité. Je, je connais pas grand-chose à votre truc là. Voilà. Le streaming, le jeu vidéo, il reconnaît un truc que tout le monde sait. Hein. Donc il enfonce, une, il enfonce une porte ouverte en disant, j'y connais pas grand-chose, mais franchement, ce que vous en montrez, euh, ça, ça donne envie et ça me fait regretter de pas connaître plus parce que parce que vous, êtes, enfin, voilà, ça a incroyable. Donc déjà voilà, j'essaie j'essaie à trouver les mots pour dire ça, cette humilité quoi. Euh, qui je pense peut en plus être sincère. Hein. Euh, et deuxième partie, euh, sur le climat, parce que je pense que tu ne peux pas ne pas parler de climat. Là aussi, je pense que le président, sans en faire un mandon parce qu'il ne s'agit pas de lui demander de se flageller en disant, euh, vous avez raison, je suis nul, euh, et heureusement que les assauts sont là, euh, aurait pu dire un truc du genre, euh, le, 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 la mobilisation du The Event... Euh, J'ai pas les mots parce que je suis fatigué putain j'ai le cerveau cramé j'ai dormi 4 heures. Euh, la mobilisation du Z Event n'est pas anodine. C'est pas euh, c'est pas un gala euh, caritatif euh, à la con euh, où on lève des millions d'euros. La mobilisation du Z Event ça dépasse euh, ça et ça envoie et c'est enfin le The Event est au diapason d'autre chose et résonne avec autre chose. Et c'est quelque chose d'autre, de différent et qui rend le The Event unique et qui rend cette mobilisation d'autant plus belle et d'autant plus respectable et remarquable. C'est la jeunesse du public. Ce n'est pas que la modernité des outils, le streaming, tout ça. C'est la jeunesse qui se mobilise en faveur du climat. Pas seulement parce que les jeunes sont angoissés par le climat, mais aussi parce que les jeunes démontrent à l'occasion du The Event leur volonté, leur refus de la fatalité. Et leur volonté, et c'est là que je trouve que c'est difficile à dire pour un président de la République, mais pourtant je pense que l'humilité doit, doit forcer à ça. Euh, un président de la République qui dit, bah les jeunes qui se mobilisent pour le Z Event envoie un message d'une clarté limpide. Et quand je dis envoie un message, c'est m'envoie un message à moi, je président de la République. Et voilà, un côté j'entends votre message. Euh, parce que vos dons disent aussi quelque chose. Sous-entendu, c'est une critique, il y a une critique de l'inaction des États, je le sais. <coughs> les associations sont les réceptacles de cette critique. <coughs> et donc en miroir, moi, représentant de l'État, moi, président de la République, euh, je vous dis, j'entends je, je, ce que vous me dites, euh, vous me dites d'agir plus, d'accélérer, et, et vous avez raison de me le dire. Et, et si les jeunes ne se mobilisaient pas, euh, on en ferait encore moins. Quoi. Non, alors ça, ne faut pas le dire comme ça, mais... <laughs> mais vous voyez ce que je veux dire donc voilà avoir l'humilité de dire euh, j'ai reçu la claque voilà c'est un peu ce que je veux dire mais c'est pas c'est pas ça mais enfin voilà vous, 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 vous nous mettez une tarte là vous les jeunes avec votre mobilisation avec votre The event vous nous mettez une tarte à nous les vieux euh, sur notre inaction sur notre incapacité à agir à, à expliquer ce qu'on fait ou, ou même à faire tout simplement euh, et voilà juste un accusé de réception euh, j'ai pris la claque c'est bon et il faut trouver les mots pour le dire donc voilà moi c'est un peu les deux trucs que j'aurais que articulé L'humilité et la sincérité sur le médium jeu vidéo est sous forme de reconnaissance de putain la vache ça envoie, ça envoie du bois là ce que vous faites euh, et l'autre côté le, euh, bah, votre mobilisation elle dit quelque chose de profond de grave et de fort et j'ai entendu les décibels résonner jusqu'ici bah, voilà, il aurait, voilà bah, quitte à être lyrique parce que je sais que Macron aime bien être lyrique il aurait pu dire un truc du genre euh, euh, vos cris euh, <laughs> les cris que vous poussez depuis Montpellier résonnent jusqu'à Paris quoi. voilà allez soyons lyriques voilà je vous ai entendu quoi J'entends T.P.K. d'ici. <laughs> J'entends le rire de Trinity. J'entends les chansons de Trivia. J'entends le mégaphone de Zera. Donc euh, donc voilà. J'entends le schlack de Mr M.V. <laughs> Euh, je sens l'abondance <laughs> d'ici. donc, euh, donc, voilà un peu une espèce d'analyse en essayant d'aller un peu plus loin sur cette question de, 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 du message d'emmanuel macron. il faut s'attendre à ce que le président de la république continue dans les années qui viennent à émettre des messages à, en direction du monde, de notre monde, nous les gamers, les streamers, les, les, les amateurs d'e-sport, euh, il, faut, il faut savoir en entendre une partie d'institutionnel et d'acceptable. De, et de, et Notre médium est en train de faire partie de la culture de, majoritaire, j'allais dire dominante, mais majoritaire d'une grande partie de la population. Ça, vous le savez déjà sur la pratique du jeu vidéo, sur la consommation de médias jeux vidéo de plus en plus. Donc c'est normal que le Président de la République euh, dise un mot. C'est voilà, fini l'époque où le gaming, c'était un truc euh, de niche réservé aux de boutonneux qui ont un tiroir à pistes dans, euh, dans leur chambre. C'est une blague, évidemment, mais vous, vous, voyez le, vous voyez le cliché un peu années 80-90, quoi. C'est fini, cette époque-là. Euh, on fait partie maintenant de la culture. Euh, et donc, on parle de jeux vidéo sur France Info. Euh, et donc, on parle de jeux vidéo dans le monde. Il euh, y a un portrait de Zerator. Et donc, le président de la République intervient pour dire, euh, pour dire big up de temps en temps, ça va falloir s'y faire. ça fait, ça fait partie du paysage, du, du monde dans lequel on vit. donc, euh, voilà. Euh... mais voilà, mais tendez quand même l'oreille sur que dit le président de la république quand il s'exprime. Pourquoi il le dit de cette manière-là Quels sont les messages qu'il essaye de faire passer Quelle est votre réaction vis-à-vis -vis de ça Est-ce que votre réaction est guidée par euh, le rapport politique que vous entretenez avec, avec lui Opposition ou adhésion Donc voilà. T'as droit à ton nom dans le titre de l'article de l'Humanité à côté d'Angle Droit et d'Antoine. Comment ça, Luma Vous avez gratté un article. Ah, par contre, j'suis... attends, est-ce que je suis à beau, Luma Putain, j'ai raté la fête de l'UMA. En vrai, je suis très content d'être allé au The c'était génial, j'adore. Mais en même temps, merde, il y avait la fête de l'UMA, j'aurais voulu y aller. Il y a le président de. le, 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 le patron de l'humanité, euh, Fabien Guet, que j'aime bien, qui est un copain. Et puis, il y avait les copains aussi, youtubeurs et tout, euh, cette année. Et puis, ça avait l'air cool. Et puis, la musique, elle avait l'air cool. Euh. « The Event, la méfiance des streamers envers, envers Emmanuel Macron. Article » C'est ça l'article On va lire l'article de l'UMA. « Pour m'excuser de ne pas être venu à la fête de l'humanité ce week-end. »« The Event, la défiance des streamers envers Emmanuel Macron. Lors du The Event, l'événement de streaming caritatif sur Twitch, Emmanuel Macron a souhaité soutenir le projet. Plusieurs streamers n'ont alors pas manqué de rappeler le chef de l'État à ses responsabilités, parfois de manière assez âpre. » Hop là, le streamer Antoine Daniel lors du The Event, tout ça. « Le week-end machin, ou la fête de l'humanité par le The Event. » Ah oui. Le week-end du 9, 10, 11 était, septembre était marqué outre la fête de l'humanité. Bien joué, Luma, vous avez raison. L'événement caritatif, tout ça, bon, ça, on, on passe, on passe. Depuis sa première édition, Emmanuel Macron réagit et encourage le projet, notamment. Depuis la première édition, Emmanuel Macron réagit et encourage le projet. Non. Non, 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 non. C'est que depuis l'année dernière. Notamment sur Twitter. Ah, attends, peut-être qu'il y a une connerie. Si en 2017, le soutien est. Et bien vu par les participants, y voyant une forme de reconnaissance. Ça fait deux ans Ça fait depuis 2020 2019 Si, si, en 2017. En 2017, il n'était il était pas président de la République, mais. Ah, si, peut-être d'ailleurs, au moment de The Event. Peut-être qu'il faisait un tweet, hein. Peut-être qu'il faisait un tweet, hein. Donc 2017, puis 2019. Ok, 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 ok. Mais pas chaque année, d'accord Il a dû sauter une année, mais il avait déjà fait un tweet, un truc comme ça. Ok, ok. Il a skip 2018, d'accord. Ok. Depuis sa première édition, Emmanuel Macron a ré réagi et encourage le projet, notamment sur Twitter. Si en 2017 le soutien est bien vécu par les participants, y voyant une forme de reconnaissance, la récupération politique de l'événement de la part du président ne passe plus pour bon nombre de streamers. Tiens, du coup, je suis curieux de voir ce qu'il avait dit en 2017. Je pas le souvenir. Il n'a pas fait Amnesty. Ah ouais. <laughs> Euh, tous les ans, son putain de tweet de merde. Ok, ok. Bon. Dès l'année dernière, le maintenant traditionnel tweet du président de la République n'avait pas franchement convaincu les acteurs de l'événement. Cette année encore, des streamers comme Ponce ou Kenny tournent en dérision la vidéo d'encouragement d'Emmanuel Macron et font bien comprendre à leur audience le peu d'intérêt qu'ils portent au président. Bravo à toute la communauté The Event qui a permis de lever plus de 450 000 euros pour la Croix-Rouge. C'était ça son tweet en 2017 Et ben voilà, simple-sobre. Il avait tweeté après la fin du The Event. Il avait fait un truc simple-sobre. Ok, ok, ok. Merci les amis, merci beaucoup. Ah oui, c'était au moment de l'ouragan Irma. Et je m'en souviens, Croix-Rouge, ouragan, 450 000 balles. Je m'en souviens. Euh... Cette année encore, des streamers comme Ponce ou Kenny tournent en dérision la vidéo d'encouragement d'Emmanuel Macron et font bien comprendre à leur audience le peu d'intérêt qu'ils portent au président. Ponce, donc il dit je m'en bats les couilles, ça on l'a vu. Antoine Daniel, d'abord connu pour ses vidéos What the Cut, exprimait plus vivement son mécontentement à la suite du tweet habituel du président Tous les ans, j'en ai ras -le cul qu'il fasse sa propagande sur notre dos réagit le streamer devant ses viewers. « Ses réactions un peu plus politiques contrastent avec le récent et rare portrait de Zerator publié par Le Monde. Le streamer et homme d'affaires à l'origine du Z-Event dépeint une volonté de construire une image apolitique de lui et de toutes ses créations. » D'accord, apolitique qui, dans l'article de l'Humanité, apparaît comme une critique. Ça, faut le... Ça, les... Ça, les gens politisés, ils détestent l'apolitisme. Ça les renvoie à leur propre politisation et ils n'aiment pas, pas ce qu'ils voient dans le miroir. <laughs> euh, euh, hein, tu les sens salés à chaque fois T'as la main qui se, qui se crispe Comment ça un politique en tue les T'es pas au dessus de moi T'es pas au dessus de la mêlée Et moi je suis pas dans la boue en train de me bagarrer sur Twitter Bon si je tweet toute la journée Pour m'engueuler avec plein de gens mais euh, Je ne suis pas la caricature aigrie Du militant débile que tu dépeins Ou alors peut-être que si oh, Merde je plonge dans des tourments de circonspection. Euh, Réconciliez-vous les apolitiques et les politisés là. Venez, on fait un barbeuc. Venez, on se retrouve tous à la fête de, de l'humacier. Bon bref, on en reparlera. Vous avez compris l'idée de la fête de Lumacier. Euh... Ah ouais. Plusieurs streamers, en plus de dénoncer la récupération politique de leur événement par le président de la République, s'attardent sur la politique en matière d'environnement du chef de l'État. Angle-droit ironise évidemment que tu comptes sur nous, tu fous rien. Ah, si seulement tu avais moyen de faire quelque chose. La streameuse rit jaune et s'énerve à la vue de la vidéo de soutien d'Emmanuel Macron. Antoine Daniel relève même qu'au The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Avant de rajouter, dans la même logique qu'Angle-droit, que c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. D'accord. Ça, en même temps, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne doit tweeter que sur des événements qui, dans lesquels il n'y a que des gens qu'il aime bien Ça veut dire quoi, être, être président de la République Est-ce que c'est être président de tous les Français ou est-ce que c'est être président d'un camp hmm. Intéressant. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous dormez dessus, là-dessus Vous dormez dessus et... Ah tiens, Jean Massier Jean Massier, la voix enrouée. Alors déjà, je vous emmerde, l'humain parce que si j'étais à la fête de Luma aussi, peut-être j'aurais pas la voix enrouée Alors ça va maintenant. Hein. Je déconne, je vous fais des bisous, Luma. Bravo pour votre fête de Luma. Jean Massier, la voix enrouée est empreinte de colère. Mais non oh Dénonce nous, en... nous, on voulait qu'il agisse pour l'environnement, pas qu'il nous parle de gaming. Qu'est-ce qu'il raconte bon enfant et tout, On s'est comme des cons. On a été ironiques as fuck euh, en faisant la note pour Macron. Euh, tant qu à, quitte à se faire récupérer le The Event chaque année par le président de la République, autant, autant qu'on lui incite à le faire, autant qu'on lui dise comment le faire, quitte à faire ça de manière dégueulasse. Bon je ne m'attendais pas à ce, que son, à ce que son tweet soit aussi cringe, je dois bien avouer. <laughs> bon écoutez, voilà. Nous on voulait qu'il nous parle d'environnement ou au moins qu'il agisse pour l'environnement, il a décidé de nous parler de gaming et d'e-sport. Écoute, c'est bien Manu, c'était pas, pas le bon jour là, c'est con. Hein. Il y avait peut-être un jour où il fallait perdre l'environnement, c'était celui-là et, et pas de gaming. Euh, voilà, parce qu'en fait, on n'est pas que des gamers, hein, hein voilà tout ça. T'as as vu tout le pognon là, tu vois euh, 10 millions, tout ça, en fait, c'est pour l'environnement, c'est pas pour le gaming. Le gaming, c'est tout le reste de l'année, tout ça, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est voilà. Ça débute un petit peu, les rapports entre la jeunesse et, et le pouvoir, et ce pouvoir là en particulier, sont extrêmement compliqués. Euh, Désolé Manu, hein, excuse-nous, on fera pas le SNU. Ah, J'étais vénère quand même, hein. <laughs> ouais, ouais. Ah, j'étais vénère, ouais. <laughs> ah, j'en ai pas ce souvenir, là. <laughs> ah, C'est de, es, de votre faute, hein. Vous faisiez des dons, la bande d'enfoirés. Moi, j'étais bien, hein. Vous avez, vous, vous avez vu ce que vous m'avez fait Vous avez vu comment vous m'avez transformé, là Avec la chemise débraillée, en train de gueuler, tout transpirant. Épuisé, <laughs> avec des dons qui s'enchaînent et tout. C'est de votre faute, ça, hein. J'ai perdu le contrôle. Ouais, j'ai lâché les freins. En même temps, c'est la fin du The Event. Hein. On est dans les cinq dernières minutes du The Event. En général, j'ai plus beaucoup de freins à ce moment-là. Euh, comble du sarcasme, le streamer politique a rédigé en direct une note factice de la part du cabinet McKinsey à destination du président de la République avec pour objet <laughs> communication sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'événement digital The Event 2022 en ligne sur les Internets, slash opportunité d'amélioration de l'image du président de la République auprès des millennials. Si la note est un troll, elle témoigne de la forte méfiance du streamer. Envers l'appareil politique d'Emmanuel Macron. Oh, tout de suite Tout de suite, l'humanité s'interprète Oh là là, l'humain Vous pouvez pas vous empêcher, hein. Ah <laughs> 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 oh, merde. Bon, bah, je fais avec, hein. Faut démentir. <laughs> non, je dément rien, Jonathan. Qu'est-ce qu'il a écrit, l'article, en vrai Attendez, excusez-moi. Vérifie publié par Théo Boriot Big up à toi Théo Là en vrai il est bien ton article, en vrai il est bien. Euh, donc la forte défiance de genre, du streamer envers l'appareil politique d'Emmanuel Macron. Je ne je, je suis pas défiant, j'analyse. J'apporte un regard critique. Euh, bon du coup si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire la note, c'est quand même une masterclass cette note. Hein. Donc c'est une fausse note, je rappelle, je dis ça parce qu'il y a des gens sur Twitter qui ont cru premier degré, c'était une note de McKinsey. Donc voilà, le streamer a également. Ouh là, là mais dis donc, qu'est-ce qui se passe là Pourquoi il y a trois tweets de moi Pourquoi il y a trois trucs de moi dans un article de l'humain Le streamer avait également joué à Flight Simulator, un jeu vidéo de simulation d'avion, et s'était donné la mission d'arroser à l'aide de canadair des terrains de golf en, en pleine sécheresse. J'espère que vous avez pas raté. Ce... Que vous avez pas raté ce très grand moment du The Event quand même. Le, la, la mission canadair sur Flight Simulator pour arroser des golfs en pleine sécheresse pour que les balles roulent mieux. J'ai raté. Ah, il va falloir regarder les replays ou les best-of. Ça arrive. Les replays arrivent sur, euh, sur YouTube, où ils sont déjà, déjà dispo pour les, pour les abonnés sur, euh, sur Twitch. L'État français a été reconnu coupable par la justice de préjudice écologique. Le président piétinait l'accord de Paris, n'a pas respecté sa promesse de fermer la totalité des centrales à charbon, a loué, a loué des alliances avec des États soutenant le retour au gaz fossile, a, a persisté à défendre le modèle productiviste et agro-industriel agro polluant. Plusieurs dizaines de milliards d'euros d'argent public ont été accordés aux énergies fossiles. Les exemples sont nombreux, le bilan d'Emmanuel Macron, etc. etc. Okay. Mais il est bien cet article, il est bien. Écoute, écoutez, moi je trouve que c'est un article qui est d'une qualité journalistique assez supérieure compte tenu du fait qu'il cite à plusieurs reprises les initiatives de ce Jean Massier-là que je ne connais pas. Euh, voilà. Hmm. Excusez-moi, pardon. Donc voilà. Donc euh, ex excellent article de l'UMA. Euh, puis j'ai vu qu'il y avait d'autres articles qui avaient été rédigés. Bon bref, il y aura d'autres articles qui vont être écrits, je pense, j'en sais rien. Euh, il est 21h les copains. Il euh, y a un moment ce qui va se passer, c'est que je vais m'effondrer de manière physique dans mon lit. Euh, je vais dormir comme un connard et je vous rappelle qu'on se retrouve mercredi matin. Mercredi, vous passez la matinée avec moi sur Twitch. Un stream exceptionnel en partenariat avec le Parlement européen. C'est une OPSP. On sera en direct pour suivre et commenter ensemble le discours de l'état de l'Union européenne. C'est le moment politique le plus important de la rentrée parlementaire européenne de la rentrée politique européenne je vous rappelle qu'on est en pleine guerre en ukraine qu'il y a une crise énergétique majeure qui est en cours que la russie a interrompu ses livraisons de gaz à l'allemagne et à la france euh, que ça va être la merde euh, en, en hiver prochain. donc on se retrouve mercredi prochain soyez là ça va être extrêmement intéressant je serai en direct avec des députés européens français de tous les bords politiques qui répondront à mes questions en direct sur ma chaîne twitch en exclusivité pour vous. Donc venez, ça va envoyer du bois. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. C'est la fin de ce stream. Bisous les amis. Ciao, bye bye. Et à demain. À demain, je fais un stream. Je sais pas quand, mais je fais un stream. À demain des bisous. Ciao, bye bye. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir.